Bonsoir, tout est bon, parfait, oui, nickel. Oh, j'ai une petite fenêtre qui s'est posée. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Retour, comment ça? Arnaque. À peine j'arrive, on me. Salut K4, salut Yonali. À peine j'arrive, ça crie. Oui. Ah, pardon, 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 oui, excusez-moi.
Bonsoir, il est 21h, bien salutations mesdames et messieurs, nous sommes ici présents pour tester la troisième et arnaque. Comment ça arnaque? À peine j'arrive, on me crie dessus direct, c'est n'importe quoi ça, moi je veux vous dire un peu de respect s'il vous plaît. Calmez-vous. T'as pu commencer? À 20h59 et tu nous as fait perdre une minute, j'ai fait perdre rien du tout, nous avons commencé à 21h pile. Et ça tenait chaque minute vaut de l'or. Ben, c'est pour ça qu'on va faire une petite partie discussion avant de commencer le jeu. Voilà, on va laisser la musique aussi, histoire que tout le monde soit content. Voilà. Bien. Donc, Ace Attorney, Phoenix Wright, Trilogie, blablabla français. Les deux premiers épisodes, je sais plus tout ce qui s'est passé. Je sais qu'on nous avait introduit les personnages, mais ça fait un bail. Et là, je sais pas du tout ce qui va se passer non plus. Mais en tout cas, comment il s'appelle? Benjamin Hunter, lui, il est revenu. Il est frais, il a fait sa rédemption et tout. Et pour le JDR, eh bien, je ne sais pas du tout. Il va falloir que je fasse un petit quiz, non? Sondage avec les intéressés. Pour savoir quand on pourra avoir une date qui, je l'espère, sera vraiment fixée. Un doodle, ouais. Toujours est-il que pour l'instant on s'est mis en pause, malheureusement. Voilà, c'est triste, mon cœur saigne. J'avais plein de choses de prêt. Moi je l'étais pas, mais de toute façon je le serai jamais. Au moins ça me laisse un peu de temps pour continuer tout ça. Bien, non, pas ça. On va se contenter des Saturn, exactement. Donc ça on l'a fait, c'est fini. Ça aussi. Ouais, donc il nous reste Trial et. Pardon, and tribulation. Super. Eh ben, jouons au jeu. Eh oui, on va se contenter. Eh oui, mais je suis d'accord. Il n'y a pas à bannir quoi que ce soit. Hein. Du JDR, ça aurait été. J'arrive même pas à mettre ma main alors que. Ace Attorney, c'est. Ouais, on le voit pas de toute façon si je touche le sol. Donc. Voilà. Hein. Épisode 1, Souvenirs et Volteface. Donc là, on va revenir un petit peu probablement dans le passé où on va. Comprendre un peu plus ce qui se passait entre Benjamin Hunter et Phoenix Wright, vu qu'apparemment ils ont quand même un petit une petite histoire tous les deux. Phoenix, il était en mode super vénère, je me souviens, contre Benjamin. Et pourquoi? Je sais pas. Il y a le smiley derrière, donc ça passe. Va pas me dire, canard, que ta patte, que la flûte de temps est liée au mater, ça. Ton JDR s'annonce incroyable, mais face à Ace Attorney 3, il y a duel. Il n'y a aucun duel possible. Comment j'ai pu atterrir dans une telle pagaille? Faut vraiment être un sacré ca canard. Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein? Mets-toi tes oignons! Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai! Écoute-moi, elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Tais-toi! Chut! T'as pas le droit de parler d'elle, comme ça. Grosse claque. Phoenix? C'est pas moi! J'ai rien fait! J'ai rien fait! Je jure! Phoenix méchant depuis le début, je le savais. Les gens qui ont des coupes vraiment comme ça. Il y a 5 ans, mais il a fait second procès. Ouais. Les gens qui ont des coupes de cheveux n'importe comment, ils sont dangereux. Apparemment, mon perso, son principe, c'est qu'il a un gros cul. Exactement. Exactement, K4. 11 avril, 9h40, tribunal fédéral, c'est des accusés numéro 3. Bon, dire voilà. Ah, j'ai un peu le trac. Oh, monsieur Rosenberg, bonjour. Oh, mais calmez-vous, je vous en prie. On va finir par vous arrêter pour qu'on les suspecte, vous savez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis calme, monsieur Rosenberg. Très calme.
Lâchez ma cravate. Et toute évidence, pas le tempérament d'un véritable avocat. Je suis désolé. C'est que j'ai vraiment le trac aujourd'hui. Oh, c'est vrai, c'est la première fois que vous jouez dans la cour des grands. Eh bien, ma chère, moi, Samuel Rosenberg, je suis à votre entière disposition. En fait, c'est la deuxième fois que je plaide. Tout de même, vous m'avez surpris, la requête que vous m'avez adressée hier soir. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. C'est sorti comme une bombe. Je l'ai appris hier, l'existence du procès, je veux dire. Comment? Vous avez déjà pris connaissance de l'intégralité du dossier? Oui, à ce propos, c'est que, je veux dire, bien sûr, enfin, je crois. Oh mon Dieu. Quoi qu'il en soit, le client ne doit pas voir à quel point vous avez le trac. Vous voyez ce jeune homme avec le pull rose? C'est lui, notre client. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, Mia, souris, bon sang. Je veux juste dire que je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre. Ouais, ça va aller, pas de problème. Hein. Ben, qu'y a-t-il? Vous avez pris froid ou... Monsieur White? C'est Wright, en fait. Comme les célèbres aviateurs, les gens se trompent toujours. Et oui, j'ai un rhume, c'est pour ça que je porte un masque. Waouh. Mon docteur dit que comme ça, je transmettrai le virus à personne. C'est ingénieux, hein. Ah, j'aurais dû y jouer un an avant à ce jeu-là. D'accord, Monsieur Wright. Vous n'avez rien à craindre au tribunal aujourd'hui. Si vous êtes vraiment innocent, je vous promets de vous faire acquitter. S'il vous plaît, lâchez mon pull. C'est vrai, c'est lui qui va être jugé, pas toi. C'est lui qui devrait avoir le trac. Il faut absolument que tu sois forte pour le bien de ton client, Mia. Mia Fey. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en tant qu'avocate. J'ai plaidé pour la première fois l'année dernière, j'en perds mes mots. J'ai été tellement traumatisé par le procès que j'ai jamais recommencé. Mais là, pour une raison obscure, ça fait un an maintenant et bon, ben voilà. Mais cette fois, je vais gagner. Pour mon client et pour moi. Surtout pour moi. 11 avril, 10h, tribunal fédéral, salle et d'audience numéro 2. C'est pas une raison obscure. Juste, oui, ça fait un an tout pile, et puis je veux regagner un petit peu de fame, voilà. S'il y avait au moins un lien qui les unit tous les deux, mais pour l'instant, c'est pas dit. Mais à mon avis, il y en a un, quoi. Mais c'est pas dit pour l'instant. La séance est ouverte pour le projet de Phoenix Wright. Ça, par contre, personne n'en parle dans le premier et le deuxième jeu, hein, qu'il était accusé à un moment. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête, votre honneur. Boulet ? La défense sera assurée par mademoiselle... Mademoiselle... Mia Fey, c'est bien ça ? Oui, votre honneur. Y a-t-il un problème ? J'avais cru comprendre que Samuel Rosenberg se chargera de la défense aujourd'hui. Oui, eh bien, il se trouve que... Monsieur Rosenberg est obligé de... Il a eu un empêchement. Un empêchement? Mais alors, que fait-il là, à côté de vous? Oui, eh bien... Vous êtes toute nouvelle, vous êtes sûr d'être à la hauteur? Ne te laisse pas impressionner, mais fais-lui ton regard d'acier. Et bien sûr, votre honneur. Enfin, je crois. Dans ce cas, Monsieur Boulet, nous écouterons votre exposé introductif, allez-y. Eh bien... Quand je pense qu'avec toute mon expérience, je me retrouve à faire du babysitting... Pas mal, non, c'est français. Pas mal du tout, merci à... J'arrive pas à... Oh zut, ça s'est enlevé. Mince. Attendez, je vais retrouver le nom. Ça doit être quelque part. Alors... flûte. Décidément, j'ai aucune trace de qui s'est abonné. C'est vraiment fâcheux. Alors là, si j'avais le coupable ou la coupable... Ah, c'est K4. Eh bien, merci, K4.
Heureusement que t'es là pour nous payer. Ah non, c'était Yone. K4, espèce de menteur, tu devrais pas faire ça. Merci Yonei pour le sub. Merci beaucoup. Ah, vous êtes sub en même temps. Pardon, je suis un peu méprisant du côté de K4 parce qu'il fait souvent ce genre de blague. Mais merci Yonali et merci K4 pour vos subs. Ça fait plaisir. Et merci Veni, bien sûr. Venilène, son pseudo. Merci Venilène. Bon, j'en ai fait trop. Non, on va dire que ça va. Bien, on était à où? Oula. Ok, j'ai pas le contexte, mais... T'inquiète, petite, ça va aller très vite. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il essaie de me rabaisser ou quoi? Ici, Darman, hein. Lui, il a pas le badge de sub. Il a le diamant blanc sur fond rose, et moi, je l'ai pas. Alors, le diamant blanc sur fond rose, c'est un badge de VIP, c'est pour récompenser les personnes qui viennent régulièrement. Ce qui fait que, si tu nous soumets... Très bien, elle le savait. C'est, ben je me sens un petit peu bête, du coup. Hein. Pas grave. C'est le serveur qui met du temps, oui, voilà. Et forcément, Yonali a aussi le badge VIP, attendez, on... Voilà, bien entendu qu'elle l'a, c'est juste que problème de serveur, tout ça, hein. Quelle bonne soirée. Bien. Oui, c'est vrai que tu stream aussi, donc j'imagine que t'as aussi connaissance de ce genre de moyen de fidéliser l'audience. Non, on parle de récompenser les spectateurs et spectatrices assidus. Ça va de soi. Eh bien, j'aimerais commencer par un résumé de ce qui s'est passé ce jour-là. Tout s'est déroulé sur le campus de l'université. Henri beaucoup. C'est vrai que j'avais oublié cette facette du jeu. Je croyais dans le JT à jeter, là. Mais moi, je suis assise du... Ça passe. La victime était un étudiant du nom de Patrick Omeo. Patrick Omeo. Ça fait trop un peu de temps, là. Stop! C'était un étudiant en 4e année de pharmacologie, mais bien entendu, cela va de soi. Un jeune homme qui était visiblement plein d'avenir. Ah oui, nous avons une photo prise sur les lieux du crime. Ce sont des étudiants qui ont découvert la scène, ils ont trouvé la victime. Pas de jurons, bien évidemment, ça va sans dire. Hein? Interdiction de dire son nom, le nom de qui? Ah! Lui, sans doute. Ok. Mais non, mais c'est pas un juron, ça. Et l'accusé, qui visiblement avait oublié de fuir. Ah, il était là, mais il est pas très malin, lui, hein. Ils ont appelé la police. Cette photo n'arrange pas la situation de l'accusé, en effet. Très bien. La Croix accepte que cette photo soit ajoutée au dossier de l'affaire. Photo du crime 1. Crime commis derrière un bâtiment de l'université. Au fait, j'ai mal à déterminer la cause du décès d'après la photo. Votre réputation de sagacité justifie, votre honneur. Il se trouve que la victime est décédée d'une mort peu banale. Une mort pas banale? C'est la représentante de la défense et elle sait pas de quoi il parle, l'autre. Mais qu'entendez-vous par là, monsieur... Monsieur l'avocat de la pas défense? Eh bien... peut-être que la défense aimerait répondre à cette question. Hein? C'est une question toute simple, je pense que cela vous permettrait de vous détendre. Je suis un gentleman, comme vous voyez. Un quoi? Tiens-lui tête, Mia! Montre-lui de quoi tu es capable! Oh, c'est l'occasion rêvée. Eh bien, qu'y a-t-il? La cause du déchet, allez! Je vous en prie, dites-moi que vous savez au moins ça. Je suis désolé, j'ai pas le temps de lire le dossier du début à la fin.
Jusqu'à quand le padjon? Jusqu'à ce que... Je sais pas. 1 heure, 20 minutes, 3 secondes, un stream. Normalement, il n'y en a pas des jurons dans ce genre de stream, parce que nous sommes tout public. Pardon. Quoi? C'est à chaque fois que je m'adresse à vous et que je reviens, je tombe sur des choses, mais... Je comprends pas. Mais j'ai Moroïd, comment ça se réveiller? Là, regarde... Comment ça regarder? Ah, pardon, oui. Toutes les informations sont archivées dans le dossier d'affaires. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Ah, le dossier, mais je crois que je peux le consulter grâce à Tab. Ah, le 4e mur, mais non, ça n'existe pas, bien sûr. Je regardais un tuto pour Clip Studio Paint. Expliquer nos jokes, ça me faisait trop penser à toi. Quoi? Un tuto pour Clip Studio Paint. Je connais pas du tout ça. Comment ça marche déjà? Oui, mais j'aimerais bien le consulter. Pourquoi ça marche pas? Bon, tant pis. Toutes les armes dont nous avons besoin, je trouve, dans le dossier de l'affaire. Jetez un bon coup d'œil aux données, réfléchissez avant de répondre, ma chère. Ah, logiciel de dessin. Tu veux pas le consulter, c'est qu'il n'y a rien à consulter, mais c'est complètement... Ouais, d'accord, moi je pensais qu'on pouvait lire l'intérieur, mais non, en fait, c'est... Ouais. Il faut juste savoir lire. Décidément, ça c'est ma soirée. Oui, c'est ce que je veux faire, bien sûr. Reste calme, bon sang, il faut pas que je laisse le procureur me marcher dessus. Le dossier... Ouais, il me suffit d'appuyer sur Tab, là. Oui, en effet, c'est le super simple. Simplification à l'extrême. Eh bien, l'avocat de la défense d'Ignoritel répond à la question. Quelle est la cause du décès? Il y avait un câble électrique qui pendait, hein, donc... Le dossier dit que le décès était causé par un choc électrique, une électrocution. Électrocution, dites-vous? Mais dans quelles circonstances? L'assassin aurait-il utilisé une espèce de pistolet paralysant surpuissant? La suite du procès répondra à cette question, votre honneur. Mais avant toute chose, nous devons nous pencher sur un autre élément crucial. Quel élément crucial? Eh bien, le mobile, bien sûr. Apparemment, le torchon brûlé entre la victime et l'accusé. Le torchon brûlé? Que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolé. Vous êtes l'avocat de la défense, vous devez tout savoir à ce sujet. Je ne devrais pas vous voler la vedette comme ça. Je n'ai pas l'air suffisant de ce type. Du Victor B. Tout craché, c'est un beau parleur, mais ne vous y fiez pas. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le tueur de bleu, vous savez. Rien que ça. La défense va nous éclairer sur la question, si je puis dire. Pourquoi le torchon brûlait-il entre l'accusé et la victime? Et cette fois, justifiez vos déclarations avec des preuves. Des preuves? Oh, inutile de vous en faire pour ça. Comme je l'ai déjà dit, toutes nos armes sont dans le dossier d'affaires. Trouvez la preuve dont vous avez besoin et balancez-la à la barbe de ce vieux. C'est pas un juron quand même, hein. Non, ce vieux sagouin. C'est la même voix que la moitié des voix qu'il fait au personnage. Aïe. Super. Oui, monsieur, à la barbe du... Ça va mieux. J'ai rien compris ce qui s'est passé. À la barbe du vieux sagouin. Monsieur Rosenberg. Efforcez-vous de montrer le meilleur exemple à cette jeune fille. Bon, allons écouter la vidéo. Faire du texte circulaire, mais on peut avoir une petite astuce. Une petite astuce, mais bien sûr. Une petite astuce, oui. Super surnom pour Basta de vieux sac, moi. Ouais. En effet, il y a une ressemblance, oui. On parle un petit peu comme ça. Oui. Le dossier de l'affaire contient aussi des profils des personnes impliquées. Bah oui, mais vieux sagouin, ce n'est pas une... C'est pas un juron. Non.
Non. Non. N'oublie pas de consulter les preuves et les profils avec Tab. Non ! J'ai dit, c'est pas un juron. Nous écoutons, qu'avez-vous trouvé ? D'où venait cette tension entre Félix-White et la victime ? Slash un sub. Ouais, j'aimerais bien devoir essayer. Hein. Alors, on s'en fout. En licence d'art à l'université Henri Beaucourt, il est enrhumé. Les victimes, 4e année de pharmacologie à l'université Henri Beaucourt, d'accord ? Ex-petite amie de Phoenix Wright, Dahlia Plantule ? Jamais entendu parler d'elle. Et. Ah, et ex de Patrick Omeo, je. Et c'est pareil, il y a 8 mois. Ah ah ! Tout s'explique, c'est à cause de Victor, bien sûr. Bon. La cause de la tension entre ces deux-là était cette jeune femme ici présente. L'apparition du meilleur personnage de l'histoire de la fiction. Une certaine Dahlia Plantule. Ah bien. Mademoiselle Fay, on dirait que vous avez au moins compris ça. Cette jeune femme se trouve être la petite amie de l'accusé, Phoenix Wright. Mais jusqu'à il y a 8 mois, elle était celle de la victime, Monsieur Omeo. Il est clair qu'elle a sa part de responsabilité dans cette affaire. Oh, elle n'a pas perdu la main. Le contre-interrogatoire... Pardon. Il n'a pas commencé qu'il s'est déjà mis le juge dans la poche. Très bien, Monsieur B. Faites venir votre premier témoin. Et si la cour le lui accorde, l'accusé appelle à la barre... Monsieur Phoenix Wright. Quoi ? Vous l'interrogez l'accusé ? Eh bien, Marshall Fay. Aucun problème, après tout. Monsieur Wright est innocent, non ? La défense n'y voit aucune objection. Très bien. Ben. La cour appelle M. Phoenix Wright à la barre de témoins. Vraiment bizarre de le voir avec un pull comme ça. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession, je vous prie. Oui, je m'appelle Phoenix Wright. Je suis... pour l'instant, je suppose que je suis un suspect. Non, non, il veut dire que faisiez-vous avant de vous faire arrêter. Oh... J'étudiais à l'université. Monsieur Wright, vous êtes conscient d'être soupçonné d'avoir tué votre camarade Patrick. Mais, je n'ai rien fait. Je vous assure que je suis innocent. Je vous assure, j'étais... L'accusé aurait été la bonté d'éviter de nous transmettre ces microbes. Je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. Dans le 4, comment ça dans le 4, il n'y a pas de 4. Ils en font un clou d'eau. Il y a encore un autre Phoenix Wright. Oh là là, mais non, mais je peux plus faire ça, moi. Trop vieux pour ça. C'est con. C'est Baliverne. Il y a 11 jeux. Mais non, mais c'est mort, ça, c'est mort. Jamais de la vie. Monsieur Wright, parlez-nous de vos rapports avec la victime. Tout de suite, votre honneur. C'est moi qui vais devoir trouver des choses à redire sur son témoignage. Quelque chose de louche, là. J'admets que j'y étais. Mais je suis pas un assassin. J'ai trouvé le corps, c'est tout. Je le connaissais à peine. Je lui avais encore jamais parlé à cette espèce de snobinard pseudo-anglais. Ouais, d'accord, donc il ment, quoi. Pas bien, ça, Phoenix. Je vois, donc vous le connaissiez à peine. Exactement, comme je l'ai dit, je ne suis pas un assassin. Apparemment, le juge comprend la situation. Vous êtes bien naïve, ma petite, bien trop naïve. Hein? On dirait bien que vous avez oublié une petite chose, jeune demoiselle. Quoi? Comme quoi? Le témoin doit encore se soumettre au contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire ? Oui, il a raison, c'est à la défense de mener le contre-interrogatoire. Le but est de déterminer si le témoignage contient des contradictions. Des contradictions ?
Mais je vais vraiment poser toutes les questions possibles. Et quant à témoin mort... Un témoin mort ? Ces déclarations contredisent toutes ces affaires. Mais ça aurait été mon client à moi. Il a beau être votre client, au tribunal, tout mensonge doit être dénoncé. C'est votre devoir d'avocate, vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Que c'était un témoignage avait... qui contenait un mensonge ? Une contradiction ? Madame Jalfay, veuillez procéder au contre-interrogatoire du témoin, enfin, l'accusé. Je vous en prie, monsieur Wright, dites-moi que vous n'avez pas menti. Vous ne feriez pas une chose pareille, hein ? En zonzon, ouais, tout à fait. Oh, ils sont tous les deux à l'université, on rit beaucoup, hein. Quand même. Bla bla bla, j'ai trouvé le corps. Bah non, du coup, c'est les gens qui ont pris la photo qui ont trouvé le corps. Enfin bon, je laissais à peine. Et là, du coup, je sais pas... Ah bah, je peux déjà attaquer de toute façon, quoi, à faire ça. En disant j'y étais, vous voulez parler de l'endroit où la victime a été assassinée ? Oui, enfin bon, de l'endroit où il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. Quelque chose ? N'essayez pas de nous cacher la vérité, nous avons des photos. Une. Quoi qu'il en soit, monsieur Wright, que faisiez-vous sur la scène du crime ? Vous avez déclaré que vous ne connaissiez pas la victime, monsieur Omeo. C'est rien qu'une coïncidence. On s'est rencontrés par hasard. Une coïncidence, hein ? S'il disait la vérité, on gagnerait du temps, quand même. Vous dites que vous avez découvert le corps. Alors, qui a appelé la police ? Hein ? Hélas, trois fois hélas. Et d'autres étudiants ont prévenu la police. D'autres étudiants ? C'est exact, ils ont assisté à la scène. Et ils ont vu l'accusé ici présent près du corps, en état de choc. Ça se voit, il est en état de choc. Que comment ? Est-ce la vérité, monsieur Wright ? Bon, ça devient pénible, hein. Vous pourriez pas cesser d'éternuer à chaque fois que vous êtes sous pression ? C'est vrai que j'étais plutôt sous le choc quand j'ai découvert le corps. Mais je... Oui, bien sûr. Donc, vous ne saviez ni à quoi il ressemblait, ni même son nom, c'est ça ? C'est ça, oui ! Enfin, non. C'est-à-dire... Ah, alors soyez plus précis. Vous le connaissiez, oui ou non ? Éternuez tant que vous voulez, vous allez finir par devoir répondre. Je suppose que je connaissais son nom, c'est vrai. C'est nouveau, ça. Il aurait pu me le dire avant, non? J'avais entendu dire qu'il était sorti avec Dolly. Dolly, qui est-ce? Ah oui, je suppose que c'est la petite amie de l'accusé, mademoiselle Dahlia Plantule. Oh, je vois. Oh, la découverte de l'amour. Quel merveilleux souvenir. Okay. C'est tout ce que je savais sur lui. Monsieur Wright, dans votre témoignage, vous avez déclaré. Je le connaissais à peine. C'est la vérité, je veux dire. Pourquoi est-ce que j'aurais... Quelque chose ne colle pas. Si vous le connaissiez à peine. Comment saviez-vous que c'était un snobinard pseudo-anglais ? Alors, monsieur Wright ? Non, j'ai rien fait, je suis pas un tueur, je le jure. Monsieur Wright, je vous donne une chance de revoir votre témoignage. Comment saviez-vous que la victime était un quoi ? Un snobinard pseudo-anglais ? Il y avait un énorme Union Jack au dos de son t-shirt.
pas sûr. Hein. Franchement. J'ai envie de dire non. Vous êtes sûr que vous avez vu l'Union Jack? Ouais, j'en suis sûr, il l'avait là, dans le dos. Je le fais, j'imagine que ces questions ont un but précis, rassurez-moi. Votre honneur, examinez de nouveau la photo de la scène du crime. Quand vous le voyez, il n'y a absolument rien d'écrit dans le dos de la victime, mais c'est pas un t-shirt en plus. Et une petite minute, il portait une veste en cuir. Le drapeau était imprimé dans le dos de son t-shirt. Je croyais que vous aviez découvert le corps de la victime accidentellement. Mais si c'était vrai, comment auriez-vous été au courant de ce détail? Vous n'auriez pas la moindre idée de ce qu'il portait sous cette veste. Monsieur Wright, vous m'avez menti! Pardonnez-moi! Mia, vous avez fait pleurer votre client. Eh bien qu'il pleure, d'ailleurs ce P sur sa poitrine, ça lui va bien. Comment ai-je fait pour lui faire confiance? Comment ai-je pu lui faire confiance? Tout faux! Le pleurnichard. Quel contre-interrogatoire. Merci d'avoir révélé les mensonges de l'accusé pour moi. Il est clair que cet homme n'est pas tombé par hasard sur le corps de la victime. Sujet trop loin. En fait, monsieur Wright, je vois que vous avez pris un bon coup de froid. Vous prenez quelque chose? Oui, je prends un médicament, mais... Ce médicament, ne serait-ce pas du Plodrum X? Oui, c'est ça. C'est super efficace contre les rhumes. Et une petite seconde. Comment vous savez que je suis fan du Plodrum X? Vous n'auriez pas un flacon de ce médicament sur vous, par hasard? Eh ben, je l'ai perdu. J'ai dû le laisser quelque part. Il l'a perdu? Mais au fait, c'est un rapport avec quoi, cette affaire? Monsieur Wright, voulez-vous que je vous dise où se trouve votre médicament? Hein? Et votre honneur, jetez un coup d'œil à cette autre photo du crime, je vous prie. Qu'est-ce que c'est? Dans la main de la victime. C'est du Plodrum X. Oui, mais moi aussi, j'ai du Plodrum X chez moi. Et je suis désolé, mais cet argument ne tient pas la route. Il n'y a aucun doute sur le propriétaire de ce flacon du Plodrum X. Surtout qu'on a trouvé les empreintes de Monsieur Wright partout sur le flacon. Quoi? Tant qu'il était en danger de mort, Monsieur Omeo a dû se saisir du flacon. Comme Wright avait fait tomber et s'y cramponner. Il savait qu'il faciliterait l'identification de son assassin, Phoenix Wright. Silence! Silence dans la salle! J'aimerais présenter cette photo et ce flacon comme pièce à conviction. Oh, très bien. La cour accepte ces éléments. Photo du crime 2. Montre de la victime arrêtée à l'heure du décès. Plodrum X trouvé dans la main du victime, couvert d'empreintes digitales de Wright. Et j'ajoute que la montre de la victime était cassée. Cassée? Oui, elle s'est arrêtée après avoir subi un violent choc électrique. Eh bien, monsieur Wright, êtes-vous en mesure de nous expliquer tout ceci? Pas bon tout ça, pas bon du tout. Oh, mon derrière, mes pauvres, pauvres hémorroïdes. Les faits, rien que les faits. La vérité, c'est que j'y suis allé parce qu'il m'a appelé. On s'est donné rendez-vous à 14h45 derrière le bâtiment de pharmacologie où il étudiait. On a discuté un moment avant de se séparer vers 15h. Je suis revenu un peu plus tard et c'est là que j'ai trouvé étendu par terre. Je prenais du Plodrum X depuis 2 ou 3 jours. J'ai perdu mon flacon le jour de l'accident, vers midi. Monsieur Wright, ce témoignage n'a rien à voir avec votre déclaration précédente. Je suis désolé, votre honneur. J'avais peur que vous ne me croyiez pas. Pardonnez-moi, mais j'ai autant de mal à vous croire maintenant qu'avant. Je le fais procéder au contre-interrogatoire. Oh, s'il vous plaît, monsieur Wright, ne mentez plus. Ce sera bien.
Mais c'est probablement pas le cas. Aviez-vous déjà rencontré la victime ? Non, jamais. Mais ce jour-là, il m'a appelé pour dire qu'il voulait me parler de Dolly. Dolly ? Oh, Alzheimer. C'est un peu gênant, c'est ma petite amie. Oh, non, qu'est-ce qui vous prend, mais... Désolé, j'ai été prise d'une envie subite de gifler quelqu'un. Tiens. Dahlia Plantule était la petite amie de la victime, Patrick Omeo. Avant qu'elle ne rencontre Monsieur Wright, bien sûr. Encore un de ces triangles amoureux, hein. L'heure de votre rendez-vous avait été fixée à 14h45 par Monsieur Omeo. Ouais. Et on est tous les deux arrivés pile à l'heure. Vous dites que la victime venait du département de pharmacologie. Je vérifie juste un truc. Ah, c'est 15 heures passées. Il étudiait la fabrication et l'amélioration des médicaments. Tout le monde l'appelait la chimiste du campus. La chimiste ? Chaud, hein. J'avoue que je me méfiais un peu, il avait un labo et tout le bazar. Il était rempli de produits chimiques et d'appareils électriques à haute tension et de la poudre bleue. Oh, c'est fascinant, ce jeune homme avait visiblement de l'ambition. Que dois-je faire ? Et si je lui demandais des détails ? Donc, vous êtes absolument certain d'avoir rencontré à 14h45. Oui, plus ou moins. C'est l'heure de la fin des cours. Quoi ? C'est quoi ces branleurs ? Remarquez, ils passent leur temps à faire des expériences, les horaires, ils sont en tape. Des expériences ? Ouais, ces types de pharmaco, ils sont toujours au labo en train de bidouiller des trucs. Non, déjà, on dirait qu'ils se trompent pas pour l'heure. Témoin, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. Alors, de quoi parliez-vous ? Vous savez... qu'on devrait se revoir un de ces quatre. Se revoir, si seulement c'était possible. Ah oui, d'accord, donc c'est évacué comme ça, quoi, la question. Alors, vous dites que vous y êtes retourné. Ouais, c'est là que j'ai découvert le corps. Ouais, mais pourquoi y être retourné ? N'étiez-vous pas en colère contre lui ? Eh ben, c'est vrai, j'étais en rogne. Alors, pourquoi, Monsieur Wright ? Pourquoi y être retourné ? J'espérais qu'on pourrait peut-être se réconcilier. Si on juge par la réaction générale, je ne suis pas sûr qu'il ait convaincu. C'est plutôt rare d'attraper un rhume en cette saison, non ? Ouais, dès qu'il commence à faire beau, j'ai tendance à me découvrir. J'imagine que dormir avec la fenêtre ouverte n'était pas une bonne idée, hein. Le bon sens n'est pas un attribut universel. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre savait que vous preniez du médicament ? Ce médicament ? Ben, j'en prenais toujours une gélule après manger. Je suis presque sûr que tous mes amis étaient au courant. Le jour du meurtre, Caillou fait au déjeuner. Hein ? Quel rapport avec l'affaire ? On ne sait jamais. Je déjeune toujours avec Dolly. Rien que nous deux. Les déjeuners que prépare Dolly sont les meilleurs de la Terre. Ces mini-omelettes sont tout simplement divines. Oh, mais pourquoi me donner un coup de poing dans la mâchoire ? Oh, je suis désolé. D'un seul coup, j'ai envie de frapper quelqu'un. Mia. Eh ben, Mia. Je sais pas. Je n'ai pas détecté de contradiction. Ce garçon n'est pas exactement ce que j'appellerais un menteur en série.
mais ce n'est pas une raison pour lui raconter n'importe quoi. Je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? À ma foi, je suis certain qu'il nous cache quelque chose. Des détails! Dans l'immédiat, il nous faut à tout prix des détails. Alors... s'en fout. Ouais, 15h. D'électrocution. Il montre s'est arrêté à 15h05. 15h02. Un truc comme ça. Ok. Donner rendez-vous avec 14h45, ok, on s'en fout. Avant de se séparer vers 15h. Et c'est le moment où il est mort. C'est un peu louche, hein. Je pense qu'on va présenter ça. Ah, c'est peut-être pas ça. Pour moi, c'était ça. C'était la photo qu'il fallait montrer? J'imagine, vu qu'on a eu la photo, maintenant c'est la photo qu'il faut montrer. Faut quand même faire une save au cas où. Bla bla bla. Non, toujours pas. Eh bien, je ne sais pas. On s'en fiche. J'ai perdu mon flacon le jour de l'accident vers midi. Est-ce que c'est là qu'il faut montrer la photo ? Non plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ceci. Objection. Toujours pas. Eh ben je ne sais pas du coup. Je n'ai aucune idée de ce qui va pas là. Non, j'y suis parce qu'il m'a appelé, on n'a aucune idée. On s'est donné rendez-vous à 14h45, on s'en fout. Discuter un moment avant de se séparer vers 15h. Non, je me suis trompé de bouton. C'est pas vrai, ça. Quand même. Bon. On va juste regarder. C'est Enter, bien sûr. Ouais, j'ai aucune idée. Ouais, j'ai tout attaqué. Oh, si c'est encore un de ces trucs, il faut attaquer une deuxième fois. Bla bla bla. Bla bla bla. Il a été drogué pour déformer tout le temps ses souvenirs ou quoi? C'est possible. Ah, on peut parler du département, c'est vrai. Pourriez-vous nous donner des précisions sur le département de pharmacologie? Oui, bien sûr. Ça dit, je ne sais pas grand-chose. Dans votre témoignage, vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites que le département utilise des appareils à haute tension. C'est exact, ils ont l'air rudement dangereux. La tension n'est pas standard, alors il y a des câbles haute tension qui courent partout. Des câbles haute tension? Ouais, ils ont installé des poteaux électriques tout autour du bâtiment. Les câbles haute tension sont en hauteur autour de la toiture. Ah, enfin on y arrive. Ok, bah j'avais fait la mauvaise question du coup. Je pense que ça suffit. L'accusé et la victime se sont vus à peu près à l'heure du décès. Et l'accusé est retourné sur la scène du crime pour une raison inconnue. J'avoue que je ne suis pas entièrement convaincu par son explication pour le flacon. Salut Chamou. 69 MDR bien sûr. Je ne vous mentirai pas, monsieur Wright. Votre témoignage n'est pas fiable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je savais que c'était trop dur pour une fillette. Toutefois, un mystère subsiste. Ah bon, votre honneur?
Et bien sûr, comment l'assassin a-t-il tué la victime? Comment a-t-on électrocuté la victime? Personne n'a encore montré l'arme du crime, que je sache. Eh bien, c'est-à-dire... Vous avez raison, votre honneur. Alors, comment M. Omeo a-t-il été tué exactement? Si j'arrive à savoir comment ça s'est passé, peut-être que je pourrais tirer mon épingle du jeu. Votre honneur. Oui, Monsieur Fay. Si nous rassemblions tous les éléments des témoignages en date, nous pourrions sans doute résoudre le mystère de la mort de Monsieur Omeo. J'en serais pour le moins impressionné, je vous l'avoue. Un peu osé pour une bleue, non? Mais je suppose que même une débutante peut appréhender le béaba d'un procès. Un avocat doit pouvoir corroborer ses arguments avec des preuves. Je sais bien. En fait, j'avais complètement oublié. Eh bien, Major Faye, montrez-nous ce que vous avez. Montrez-nous comment, d'après vous, la victime a été électrocutée. Mais on est où, là, quand même? Mais sérieusement? En ce qui concerne la cause du décès, je dirais que cette photo la révèle complètement. Que quoi? Je ne vois rien ici qui ressemble même de loin à l'arme du crime. La défense va devoir nous fournir une explication plus détaillée. Non mais... Avec quoi on travaille là? C'est ça la justice? Diantre. Eh bien naturellement, c'est juste là. C'est quoi au fait? Un câble électrique sectionné, il me semble. Votre honneur. Rappelez-vous de la déposition du témoin. En même temps, on a mis Bastel en juge, oui. C'est vrai qu'on l'a un peu cherché. Les appareils utilisés en pharmacologie fonctionnent sous haute tension. Et pour cette raison, on trouve des câbles à haute tension partout. Et donc le câble à haute tension? Oui, le câble à haute tension est la cause du décès de la plus logique. Tout à fait possible, en effet. Monsieur B, qu'en dites-vous? On dirait que je vous dois des félicitations. Ne jouez pas avec mes nerfs, l'ancien. Allons. La victime a pu effectivement être tuée par un câble à haute tension. Toutefois, réfléchissez aux conséquences de ce que vous avancez. La seule personne qui aurait pu se servir du câble comme d'une arme mortelle, c'est l'accusé. Les faits sont indéniables, mais n'importe quoi. N'importe quoi, le câble y est trop, mais vous avez fumé. Non mais on est où là? Procès de Sarkozy ou... Oui, ce n'est pas tout, nous avons une preuve. Une preuve irréfutable de la culpabilité de Monsieur Wright. Ah bon? Quelle est-elle? Ses empreintes digitales. Sur le câble? Ses empreintes digitales? Les empreintes de l'accusé, je ne trouvais pas seulement sur le flacon de médicaments. Examinez de nouveau la photo du crime. Vous voyez que la victime porte une veste en cuir. Et comme vous le savez peut-être, le cuir conserve très bien les empreintes digitales. Oh, vous voulez dire... Oui. Elle était très visible sur le devant de la veste de la victime. Empreinte de la paume de l'accusé. Ça a des empreintes, cette merde aussi. Oh là là. Quoi? Je ne vois pas comment Monsieur Wright aurait pu laisser une telle empreinte. À moins bien sûr qu'il ait poussé la victime vers le câble sectionné pour la tuer. Silence, ça suffit. Je crois pouvoir conclure, ce contre-interrogatoire est terminé. Tant qu'il nous plante à la fourchette, on est cuit. Monsieur Rosenberg? Les hémorroïdes ne mentent jamais, le spectacle est terminé, Mia. Je suis sûr que ce gamin était coupable au premier coup d'œil. Non, vous avez tort. Ce Wright est innocent.
Les preuves suffisent pour me convaincre de la culpabilité de l'accusé. Votre honneur, je suis prêt à me prononcer sur cette affaire. Vous avez quelque chose à ajouter, mademoiselle Fay? C'est ça que vous voulez, monsieur Wright? Vous ne nous avez toujours pas dit la vérité. Toute la vérité. Si vous ne dites rien, le juge va prononcer son verdict. Mais je peux pas. Je peux pas le dire. Si je vous dis ce qui s'est vraiment passé, je serai... Tout va bien se passer, monsieur Wright. Je suis votre avocate. Faites-moi confiance. Mademoiselle Fay... Quoi que vous ayez à dire, je crois en vous et je vous représenterai jusqu'au bout. Nous avons déjà prouvé la culpabilité de l'accusé. Il est donc inutile qu'il ajoute quoi que ce soit. Attendez. Monsieur Wright, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Wright, nous n'avons pas besoin de... Je l'ai fait. Comment ça? Je reconnais, je l'ai poussé. C'est ma faute. Ma faute si Patrick Omeo est mort. Cette fille là, je te conseille de plus la voir. Mêle-toi de tes oignons. Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai. Écoute-moi, elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Tais-toi! Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. Bzzz. C'est fâcheux. Ce que vous venez de dire, c'est la vérité? Oui, j'avais peur qu'en disant la vérité, tout le monde me croit coupable de meurtre. J'avoue qu'après ce témoignage, nous sommes tout à fait persuadés. Je vous en prie. Je vous en prie, donnez-moi encore une chance de vous expliquer. Cette fois, je jure de dire toute la vérité. Tout ira bien, pas vrai, mademoiselle Fay, j'ai confiance en vous. Oh, merci. C'est bien lui qui a poussé la victime. On dirait que M. Mori tâche le boogie woogie. Arrête, Rosenberg, arrête. Ça suffit. Douleur. Ce type, il disait du mal de Dolly. J'ai perdu mon sang-froid, je l'ai bousculé. Au même moment, j'ai entendu comme un gros bruit. Puis après que je sois parti, j'ai commencé à m'inquiéter. Alors j'y suis retourné, il était étendu là, mort. Salut Kamé. Il est champion d'échecs, Rosenberg. Je n'ai pas cette référence ou cette blague, je suis désolé. Eh bien, cette explication est vraiment des plus simples. Quand vous l'avez poussé, Monsieur Omeo est tombé à la renverse et il a touché le câble. Il est mort électrocuté. Pour lui, la lumière s'est éteinte à ce moment-là. J'adore le fait que le seul vrai avocat du jeu soit juif. Ah oui, Rosenberg. Quoi, les autres, c'est pas des vrais avocats? Ah, l'histoire du plein qui vibre. Excellent. Énorme. L'explication est... J'y crois pas, cette histoire quand même. L'explication est toute simple, en effet. Au moment du drame, il tombait une petite pluie fine. Comme il avait dû se mouiller sous la pluie, les victimes a dû s'électrocuter facilement. Mais... Il n'y avait aucun câble électrique à proximité quand je l'ai poussé. Si ça avait été le cas, je suis sûr que même moi j'aurais remarqué. C'est vrai, même un ahuri comme lui l'aurait remarqué. Mademoiselle Fay,
Je vous préviens gentiment que si votre contre-interrogatoire n'apporte rien de nouveau, je n'aurai pas d'autre choix que de prononcer mon verdict, vous me comprenez ? Oui, votre honneur. Ne lâche pas Mia. S'il est vraiment innocent, il y a forcément une preuve de son innocence quelque part. Alors, qu'est-ce que Monsieur Omeo vous a dit ? Il a dit plein de trucs horribles sur Dolly. Il a traité de mauvaise graine. C'est tout ? Ouais. Je le fais, vous l'avez entendu aussi bien que moi. Bien, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, Monsieur Wright. Sans prix, mon boulot est assez compliqué comme ça. Bref, quand il a dit ça, j'ai... Pourriez-vous être un peu plus précis sur ce qui s'est passé ? Ce type, il a dit ce qu'il avait à dire. Et puis il a enfilé sa veste qu'il avait à la main et a commencé à s'éloigner. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid, je suis devenu hystérique. J'ai un peu poussé sur le torse. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun câble sectionné dans les environs. Affirmatif ! Il n'y avait rien de la sorte. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Eh ben, j'imagine que c'est possible. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Mais ne laisse pas ce bulldozer t'écraser comme une crêpe ! Interrogeons-nous plutôt sur le moment où l'accusé a poussé la victime. Témoin, poursuivez votre déposition, je vous prie. Un gros bruit. D'après vous, qu'est-ce que c'était que ce bruit, Monsieur Wright ? Je sais pas trop, mais c'était très fort. On aurait dit un craquement, et maintenant que j'y pense, je me demande ce que c'était. Il est clair, votre honneur, que c'était le bruit de l'électrocution de la victime. Hypothèse ! Comment pourriez-vous en être sûr ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis sur des sables mouvants, là. Monsieur Wright, ce gros bruit que vous avez entendu est peut-être très important. Alors, essayez de vous souvenir de ce que c'était. Comment dire, c'était une sorte de craquement sec. Ah ! Est-ce que c'était... Oui, c'était... Mais dépêchez-vous donc de nous le dire ! Lorsque je l'ai poussé, il a fait tomber le parapluie qu'il tenait dans sa main. Il est tombé en plein dessus et ça l'a brisé. C'est sans doute le bruit que j'ai entendu. Un parapluie, hein ? Ce parapluie-là appartenait à la victime ? Ouais, c'était un parapluie en plastique à 2 balles, comme son propriétaire. Quand même. Remarquez, au moins il en avait un parapluie. Moi j'ai fini trempé jusqu'aux os. Moi je le fais. Qu'en pensez-vous ? Cette partie du témoignage était importante ? Nous y voilà, Mia. Voilà le fait nouveau que tu attendais. Et bien sûr que c'est important. Plus que ça, le parapluie est même primordial. Je veux que cette information soit enregistrée officiellement dans le dossier. Parfaitement de rigueur, une information incohérente pour un avocat du même acabit. La cour accepte la requête de la défense. Témoin, veuillez ajouter le parapluie bon marché à votre témoignage. Donc, Monsieur Omeo est tombé sur son parapluie, vous en êtes certain ? Ouais. Il s'est étalé en plein dessus. D'ailleurs, s'il n'avait pas écrasé, je lui aurais bien emprunté. Parler du parapluie, c'est ça ? Ben ouais. Oui, je portais ce pull, là, et... Dolly a veillé plusieurs soirs de suite pour me le tricoter. Je voulais pas voir la pluie détremper le symbole artisanal de son amour. Oh, mon estomac n'est pas là pour vous servir de ballon de football, Mia. Oh, je suis désolé. Témoin, poursuivez votre déposition, je vous prie. Mais il y a des petits problèmes, quand même, hein, de... Hein ? Baston.
Avez-vous quitté les lieux juste après avoir poussé la victime ? Oui. J'admets, j'étais furieux. Vous êtes parti sans vous préoccuper du pauvre monsieur Omeo. Oui. Mais comme je l'ai dit plus tard, je me suis inquiété. À ce moment-là, avez-vous vu quelqu'un d'autre sur la scène du crime ? Non, personne. Plus factice tu meurs là tout. Alors il est difficile de croire que quelqu'un d'autre ait pu commettre le crime. À moins de trouver dans son témoignage de quoi innocenter ma chère, j'ai bien peur que le juge ne rende son verdict sans aucun remords. Oui, monsieur. Là, j'ai besoin de plus d'infos qui m'aideront à dénicher les contradictions. Là. C'est bizarre, il y a quand même un sacré parapluie ici. Hein. Pourquoi ne pas nous avoir parlé du parapluie dès le début de votre témoignage ? Mais si je l'avais mentionné, cela m'aurait permis de contrer les arguments du procureur bien plus tôt. Qu'entendez-vous par là ? Regardez encore une fois la photo du crime. Selon M. Wright, la victime est tombée sur son parapluie. Pourtant, si vous regardez avec attention, le parapluie ne se trouve pas sous la victime, mais près du poteau électrique. J'avais tout à fait raison. Les faits parlent d'eux-mêmes. Une fois l'accusé parti, la victime a bougé de l'endroit où elle était tombée. Après avoir été poussé par M. Wright, M. Omeo était bien vivant. Non ! Silence ! La victime s'est déplacée ? Monsieur B, le parapluie sur la photo, où est-il maintenant ? C'est la police qui l'a récupéré sur la scène du crime. J'exige qu'il soit présenté à la cour comme pièce à conviction, immédiatement. Parapluie appartenait à la victime, cassé, trouvé près d'un pylône sur la scène du crime. Mais le parapluie aurait très bien pu être poussé par le vent. D'après les témoignages, la victime est tombée sur le parapluie. En aucun cas, il n'aurait pu être poussé par le vent. Mais... Je comprends à quel point cette affaire du parapluie me paraît triviale. Mais tant que le moindre doute subsiste, je ne peux me prononcer sur l'affaire. Non. Quelle coupe. Ah, je le cachais depuis avant. J'ai pas fait gaffe. J'ai encore du mal à croire que le témoignage de l'accusé ait pu porter un coup aussi violent à l'argument de l'accusation. Témoignage de Phoenix. La victime est tombée sur son parapluie. Un gros bruit s'est produit à ce moment-là. Oh, bien joué, Mia. Ah non, ça va, on le voit encore un peu. Monsieur B, qu'est-ce qui vous fait ricaner comme ça ? Pardonnez-moi, votre honneur. Oui, votre honneur, pardonnez-moi, je vais juste faire un petit truc vite fait. Zup ! Voilà. On dirait que j'ai un peu sous-estimé les événements. Comme si je pouvais rétablir la culpabilité, avec un simple contre-interrogatoire. J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Laissez-moi deviner, vous avez un autre témoin. Exactement. Et le témoignage de cette personne sera irréfutable. Alors, qui est ce témoin ? Mademoiselle Dahlia Plantule. Dahlia Plantule ? Vous voulez dire Dolly ? C'est exact, votre honneur. La petite amie de l'accusé a été témoin de toute la scène. Eh oui, elle se trouvait sur la scène du crime au moment des faits. Quoi ? Désolé de vous annoncer une telle nouvelle, chère demoiselle. De telles nouvelles. Mais vous m'en voyez ravi. D'ailleurs, je m'y attendais. Vous plaisantez, j'espère. Mais que voulez-vous dire par là ? Le moment est bien choisi pour marquer une pause. Disons de 20 minutes. Et après, nous entendrons le témoignage de mademoiselle Dahlia Plantule. Pause. 11 avril, 11h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3.
Mademoiselle Fay, je suis désolé de ce qui s'est passé dans ça, je... Pas de souci. Au moins, vous avez fini par nous dire la vérité, monsieur Wright. Ouais, alors je peux commencer à me détendre maintenant, hein. On n'y compte pas, mon garçon. Pas après avoir dissimulé des faits aussi importants. Mais Madoli est le prochain témoin sur la liste, non? Elle me sauvera, elle, j'en suis persuadé. Ouh. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Hein? Parce que c'est l'amour de ma vie, tiens. L'amour de votre vie, hein? Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vous et Mademoiselle Dahlia Plantule? Mia, quand même. Alors, bien sûr, pas de problème. Tolly et moi, on s'est rencontrés il y a 8 mois. Ici, dans ce palais de justice. En fait, à mes heures perdues, j'ai dit pour devenir avocat. Enfin bref. On s'est rencontrés un jour, par hasard, dans la salle de lecture en bas. Pardon. Je crois que c'est Destin qui nous avait fait venir là tous les deux. À la minute où j'ai posé les yeux sur elle, j'ai su qu'elle était faite pour moi. Oh, tenez, regardez ça. Elle me l'a donné le jour de notre rencontre, comme un symbole de notre amour. Donc ouais, le jour où tu rencontres quelqu'un, tu lui files directement un... Comment ça s'appelle? Un truc à mettre autour du cou. Un médaillon. Elle l'avait autour du cou ce jour-là, mais... Elle l'a ôté, me l'a tendu en disant « Je veux que tu le portes ». Oh, ça fait ce cadeau, je vois. Ce joli petit flacon est rempli du souvenir de ma petite Dolly chérie. Ouais, c'est bien un petit flacon. Je l'aime tellement, je la montre à tous les gens que je rencontre. Je veux partager mon bonheur avec le monde entier. Le cadeau de Dahlia donné à Wright le jour de leur première rencontre, il le montre à tout le monde. Bon. Alors après, mademoiselle Plantulé, vous avez commencé à sortir ensemble, c'est ça? Ouais, mais elle est tellement timide. Quand on se voit, elle répète toujours la même chose. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. Quelle fille étrange, je demandais qu'on lui rende son cadeau comme ça. En fait, monsieur Wright, le jour où vous avez rencontré Dahlia Plantule, il y a 8 mois, n'était-ce pas le 27 août par hasard? Hein? Si, c'est ça. Mais comment avez-vous... Où est-ce qui s'est passé le 27 août dans ce palais de justice? Qu'est-ce que c'est? Une coupure de journal? Voyons voir. Meurtre au tribunal? Meurtre? Qu'est-ce que vous lisez? Montrez-moi ça. Oh, je vois. Mais je crois savoir où vous voulez en venir. Et je crois comprendre votre intérêt soudain pour cette affaire. Vous pensez qu'il existe un rapport entre ces deux affaires, je me trompe? Coupure de journal, article paru le 28-8, il y a près de 8 mois. J'espère que vous ne m'en voulez pas, monsieur Rosenberg. Il faut que je termine cette histoire moi-même. Certes, mais je crains que vous ne disposiez pas d'assez de preuves, ma chère. Je vais examiner la salle de lecture et voir ce que je peux trouver. Merci. Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, Mia. Eh bien, je dirais que la réclamation est terminée. Nous ferons bien de nous activer. Je suppose. J'ai l'impression que cette interruption a duré bien plus que 20 minutes. À suivre. Ce serait pas le meurtre de la mère de Mia ou du père de Mia? Un truc comme ça? Et on va enfin voir la fameuse Dolly qui va casser le cœur de Phoenix à jamais. Ou c'est le meurtre du père de Benjamin, peut-être. Nous y sommes, monsieur B, appelez votre témoin, je vous prie. Elle va casser nos cœurs à tous. Ça promet. La personne que voilà était sur le lieu du crime... Au moment du drame, elle a tout vu. L'accusation appelle à la barre mademoiselle Dahlia Plantule. Qu'est-ce que c'est que ça?
Pourquoi ce silence d'un seul coup? Ma longue carrière de juge m'a fait croiser de nombreux témoins mal intentionnés. Douter fait partie de mes attributions, je ne fais confiance à personne. Je dois admettre que vous, vous dégagez une sincérité éblouissante. Jay, on te connaît quand même, mon gars. Mais je rêve, il a vraiment dit ça? Ah, bon, bien, témoin, pourriez-vous nous donner votre nom, je vous prie? Je... Oh, détendez-vous, ma chère petite, vous n'avez rien à craindre. Si quelqu'un vous manque de respect, je le réduis en pièces. Quant à moi, je le chambrerai avec mon marteau. Et pourquoi il me regarde droit dans les yeux en disant ça? Merci d'essayer de me rassurer. Vous êtes tous si gentils. J'ai presque l'impression d'être entouré d'amis. Mais c'est bien naturel. Oh, je n'ai rien. De continuer peut-être. Vos noms et professions, je vous prie. Je m'appelle Dahlia Plantule. Je suis en troisième année de littérature à l'université Henri Beaucoup. Être ici, aujourd'hui, en votre noble présence, est un véritable honneur pour moi. Honneur est pour moi? Oh, pas du tout, tout l'honneur est pour moi. Je crois qu'on a compris qui mène la barque ici. Monsieur? Puis-je vous aider, quelque façon que ce soit? Allez-y, dites-nous ce qui vous tracasse. Il doit y avoir une bonne explication à tout ça. Fini n'est pas un tueur, j'en suis sûr. Oui, je comprends votre certitude à cet égard. Ça va être un témoin sacrément coriace. En 12 secondes chrono, elle les a roulés dans la farine, prête à frire. Présa, pardon. Mais veuillez témoigner, je vous prie. Qu'avez-vous vu le jour de l'incident en question? Ce que j'ai vu. J'avais prévu d'aller chez Fini après les cours. Fini et Pat discutaient derrière le bâtiment. Et puis, d'un seul coup, Pat a perdu l'équilibre et s'est effondré. Et là, Fini s'est aperçu que j'étais là. Je suis allé chercher d'autres étudiants qui ont appelé la police. Je ne sais pas quoi dire. Selon vous, moi j'ai le Plantule. L'accusé n'a rien fait de mal. Et jeune fille, malgré mon âge avancé, je me souviens de l'ardeur des jeunes passions amoureuses. Cependant, il est de mon devoir de découvrir la vérité. Je vous en prie, jeune fille, dites-nous la vérité. Mais je n'oserai jamais. Ça suffit, témoin. Je mets fin à tout ceci. Que voulez-vous dire par là? Permettez-moi de contre-interroger le témoin, votre honneur. Car je n'ai pas l'intention de gagner cette affaire avec des mensonges, moi. Vous n'avez pas du tout changé. Mia Fey. Comment? Vous connaissez tous les deux? Toutes? Oui. Nous sommes déjà rencontrés, une fois. Quoi qu'il en soit, Mlle Fey, la chaîne est à vous. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir, Madame Fey. Madame? Je n'ai pas l'âge de grand-mère que je sache. J'avais prévu d'aller chez Fini après les cours. Sauf erreur, Fini, enfin, Monsieur Wright est étudiant en art. Que faisiez-vous donc dans le département de pharmacologie? J'étudiais la fac de lettres, la poésie japonaise Senryu, pour rien vous cacher. Oh, quel bonheur, c'est ce fameux style haïku, Miyomori Misatir, n'est-ce pas? Quoi bon choisir quand un homme atteint cet âge, il doit bien dormir. Ils appellent ça de la poésie? On dirait plutôt une crise de la cinquantaine. Je suis obligé de passer par là pour aller au département des arts. Ah oui, je vois, ça tient debout. Moi, pour entrer dans la salle d'audience, je passe toujours par la porte devant. Quel autre moyen de rentrer, la téléportation? Et ce Pat, qui est-ce?
Oh pardon, c'est Patrick Omeos, mon petit ami. C'était, pardon, on a rompu il y a 8 mois. Alors de quoi Pat, Monsieur Omeo et Monsieur Wright parlait-il? Comment osez-vous? Jamais je n'écoute de conversation privée. Mon éducation me tient à l'écart de ces pratiques impolies et grossières. C'est vrai, Mademoiselle Fay. Ne baissez pas le témoin à votre niveau. Est-ce que c'est moi qui me retrouve à être le grand méchant loup? Poursuivez, je vous prie, qu'avez-vous vu après? D'après vous, la victime serait tombée toute seule. Oui. Autrement dit, l'accusé n'a jamais touché la victime, c'est bien ça? Je n'ai pas quitté des yeux. Phil n'a rien fait à Pat. Si j'insiste pour rien, le juge va encore me tomber dessus. Alors, je fais quoi de ce témoignage, moi? Il y a une contradiction, mais est-ce qu'on a dans les données le fait qu'il y a... Non, il n'y a pas. Hein. C'est pénible, je cherche le truc où ils disent qu'il y avait des empreintes sur la jaquette. Mais c'est pas marqué. Meurtre au tribunal. Très peu d'informations filtrent à l'heure actuelle, mais il semble que la victime de l'incident survenu hier dans la cafétéria du palais de justice soit un avocat. La police interroge en ce moment une étudiante de 19 ans qui se trouvait assise à côté de la victime. C'est le petit ami, l'ex-petit ami de Mia. C'est pénible ça, parce que la preuve des empreintes digitales, je l'ai seulement avec le flacon, mais c'est pas le flacon que je veux montrer, moi. C'est sûrement de façon ça le truc, mais... Ouais, c'est tombé pour l'instant. Je suppose que son témoignage penche en notre faveur pour l'instant. Au moins, je vais pas pousser plus loin, je vais attendre un peu. De toute façon, il y a quasiment plus rien. Et quand il vous a vu, qu'a dit Monsieur Wright? Désolé, j'étais tellement troublé que... Je m'en souviens pas. Pardonnez-moi. Vous ne vous en souvenez pas? Je n'ai rien de normal. Il m'arrive d'oublier ce que je viens de dire. Oh, s'il vous plaît, quelqu'un, n'importe qui, mais faites le thé ou je le frappe. Quand vous dites étudiants, vous parlez d'étudiants en pharmacologie? Oui, ils sont tous fous de leur expérience. Essayez de vous en tenir à la question. Donc, pour trouver des étudiants en pharmacologie, vous êtes allé au labo. C'est ce que j'avais prévu de faire, mais... J'ai changé d'avis. Une dizaine d'étudiants, des chercheurs sont sortis du bâtiment en courant. J'avais l'impression qu'ils savaient ce qui se passait. Les étudiants savaient ce qui se passait? Mais comment les étudiants auraient-ils pu savoir ce qui se passait? À vrai dire, je suis pas sûr qu'ils savaient ce qui se passait. Ils avaient tous l'air agités pour une raison que j'ignore. On dirait que j'en apprendrai pas plus sur les étudiants. Alors, ce sont les étudiants qui ont appelé la police. Oui, j'étais tellement paniqué. Vous savez, tout le monde aurait été dans une telle situation. Cette fille raconte un énorme mensonge, elle le sait. Elle fait semblant de protéger Monsieur Wright. Oui, je suis sûr que c'est ça, tu es sur la bonne voie, Mia. Il va falloir que je creuse profondément pour dénicher une contradiction. Monsieur Dame, il est temps d'aller dormir. Eh bien, bonne nuit, Yonali. Merci d'être passé. Bonne nuit, bien sûr. On insiste. Le mensonge ne vous sied pas au teint, mademoiselle Plantule. La vérité, je vous prie.
Quoi? Jamais je ne... Mademoiselle Fay, je ne vous permets pas de bousculer ce témoin. Il est clair que la défense s'est engagée sur un terrain glissant. Où elle en veut, là? Ouh, t'es sûr que tu veux faire ça? Je veux dire, elle n'a aucune... Je vous en prie, arrêtez de me regarder comme ça, je ne fais que mon travail. Alors, mademoiselle Plantule. On a trouvé l'empreinte de la pomme de l'accusé sur la veste en cuir de monsieur Omeo. Nous avons également établi que monsieur Wright a bien poussé la victime. Quoi? Alors, il est inutile d'essayer de protéger l'accusé. Il vaudrait mieux pour tout le monde que vous nous disiez toute la vérité. N'ayez pas peur, mademoiselle. Dites-nous tout ce que vous avez vu. Bien, votre honneur, j'aimerais, s'il vous plaît, modifier mon témoignage. Et ben voilà, on avance. Vous n'avez rien vu. J'ai vu l'instant où Pat est tombé par terre. Mais à ce moment-là, ces deux-là étaient seuls sur les lieux. L'accusé, M. Phoenix Wright, et la victime, Patrick Omeo. Oui, c'est exact. Bon, d'après vous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient sûrement une petite conversation amicale. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je ne leur ai prêté qu'une attention distraite. Et vous n'avez rien remarqué de bizarre? Non, rien du tout, monsieur le juge. J'aime bien la manière dont vous dites, monsieur le juge. Mais bon, poursuivez votre témoignage, monsieur. Je n'ai entendu aucun bruit. Ouais, bien sûr. Vous dites que vous n'avez entendu aucun bruit. C'est bien ça? Oui, c'est pour ça que j'étais détendu. J'admirais le paysage autour de moi. Ah, c'est très gentil tout ça, mais je trouve ça un peu bizarre. J'ai là le témoignage de votre petit ami, monsieur Phoenix Wright. Et il a déclaré que quand il a poussé la victime, il a entendu un gros bruit. Il a dit ça? Si vous étiez aussi proche que vous le prétendez, pourquoi ne l'avez-vous pas entendu? Eh ben, peut-être que ce bruit-là n'est pas si mémorable que ça. Mais selon le témoignage de M. Wright, il s'agissait bien d'un bruit sec, comme un crack. Un bruit comme ça, ça ne passe pas inaperçu. Seriez-vous le loisir de répondre? Bien entendu, en fait. Je sais pourquoi je n'ai pas entendu le bruit. En fait, à vrai dire, je portais des écouteurs et j'écoutais de la musique. Des écouteurs? Vous voulez dire que vos deux oreilles étaient couvertes? Les premières gouttes de pluie commençaient à humidifier l'asphalte. Thor n'avait pas fini de prendre la terre pour sa couleur et création personnelle. Le ciel continuait son spectacle de son et lumière. Le tonnerre et des éclairs. Oui, j'ai peur du tonnerre. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas l'entendre. Eh bien, votre honneur, vous voyez bien, sa déposition ne contient aucune contradiction. Une petite minute, Mia. Ce qu'elle vient de dire, elle dit quelque chose qui change complètement cette affaire. Quoi? Votre honneur, les déclarations du témoin me tracassent un peu. Que voulez-vous dire? Rochambeau, vous n'avez pas remarqué? Il a dit qu'il y avait des éclairs, n'est-ce pas? Oui, alors? Un éclair est bien une grosse décharge électrique dans l'atmosphère, n'est-ce pas? Le moment est mal choisi pour une leçon de science, mademoiselle Fay. Ah, bien sûr, votre honneur. Pourtant... Comme la victime est morte par électrocution, n'aurait-elle pas pu être frappée par la foudre? Oh! Bah, Stella n'est pas vraiment en forme. Ouais. Vraiment pas, plutôt. Pas mal, non. C'est français. Et Chamou qui arrive et qui file deux abonnements tranquilles à Antoine Pénard, et non pas Lupénard,
et pas Z mal. Pirate Roberts. Merci Chamou. Bravo Chamou. Et bravo pour pas avoir gift sub AK4 en plus, ça c'est bien. Comme ça il reste juste de la plèbe. Ça c'est... T'as fait le bon choix. Merci Chamou. J'avoue ne pas y avoir pensé. On parlait des deux abonnements simultanés qui en a dit, aucun de nous l'a reçu. Il pense lui maintenant, c'est nouveau ça. Toute cette affaire est basée sur l'hypothèse que Monsieur Patrick Omeo a été assassiné. Mais cette hypothèse est elle-même erronée. D'après la défense, Monsieur Omeo est mort frappé par la foudre. J'ai gagné mon abo de 3 mois en Xbox Game Pass, grâce aux 2 subs. Oh, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, j'avais oublié de le dire, parce que bah, ça me paraissait bizarre de... Parce qu'à part Chamou, en fait, il n'y a pas grand monde qui gift sub. Mais oui, quand vous faites 2 gift subs, vous avez 3 mois, en effet, de Xbox Game Pass gratuit. Pas mal, hein. Pour, du coup, 8 euros, c'est ça, hein, 3,99. Ouais. Pour 8€, t'as 3 mois avec je sais pas combien de jeux disponibles gratuitement. Et en plus, tu fais plaisir à un ou une streameuse, un streamer. Ah, il faut juste 2 subs à 2 chaînes. Juste 2 subs à 2 chaînes. 2 subs à 2 chaînes. Ah. Ah oui, c'est quand même un peu plus cher que ce que je pensais alors. La défense semble avoir émis une hypothèse plausible. S'agirait-il d'un décès accidentel ? Ouais, t'as réussi, ma vieille. Allez, un verdict non coupable, je vous prie. Je suis blessé. Si, si, que vous ayez une opinion de moi aussi médiocre, mademoiselle Fay. Ah, c'est que 2 subs, mais... Sur une seule chaîne, dans ce cas, et pas 2 subs sur 2 chaînes. Sinon, ça ferait 4 subs. Hein ? Je ne suis pas un idiot, vous savez. L'accusation a fait des recherches, votre honneur. Et il se trouve qu'il n'y a eu aucun coup de foudre à cet endroit, ce jour-là. Quoi ? Ah, un sub sur 2 chaînes. D'accord. Ok. Je vois. De plus, nous avons la preuve que le câble électrique est lié à cette affaire. La preuve, monsieur B, quelle est-elle ? Cette déclaration sous serment. Et d'où la tenez-vous ? Des étudiants en pharmacologie qui menaient des expériences sur le labo ce jour-là. Permettez-moi de le lire à la cour la déposition des étudiants en pharmacologie. Vers 15h ce jour-là, il y a eu une coupure de courant dans tous les labos. Une coupure générale ? Tous les appareils des labos fonctionnent sous haute tension, votre honneur. D'après vous, il y aurait eu une coupure de courant parce que... Absolument, les appareils ont cessé de fonctionner à cause du câble électrique sectionné. La coupure a été constatée aux alentours de 15h. Ce qui correspond à l'heure du décès, selon le rapport d'autopsie. Exactement, autrement dit. La victime est morte en touchant le câble électrique sectionné. D'après les étudiants, les câbles sont très anciens. Ils devaient être remplacés prochainement. Je vois. Apparemment, les câbles étaient devenus si fragiles que le moindre choc aurait suffi à les rompre. Déposition des étudiants. Le vieux câble électrique s'est rompu suite à un impact, le 9-4 à 14h55. Toutefois, une chose me tracasse un peu. Si le câble pouvait se couper au moindre petit choc, il ne se serait pas rompu à moins d'avoir subi un choc quelconque, n'est-ce pas ? Excusez-moi. Eh bien, je suppose que c'est exact. Je le fais. Savez-vous pourquoi le câble s'est rompu ce jour-là ? Votre honneur ? Je n'ai pas du tout ce qui se passe, là. J'ai intérêt à trouver quelque chose vite fait pour me remettre sur les rails. Si la cour le permet, l'éléphant aimerait donner son opinion. Eh bien, nous écoutons. Quelle chose ou personne est à l'origine de la rupture du câble ? Mm-hmm.
C'est ça! C'est pour ça que le câble s'est rompu! Eh bien, votre honneur. Non. La rupture s'est plutôt produite dans le cerveau de la défense. Ah, votre honneur, vous surpassez une fois de plus. Quelle ironie, quel talent! Elle a fait mal celle-là. Bon, bah, c'était pas elle. J'en sais rien, moi, du coup. Qu'est-ce que tu m'embêtes? C'est le parapluie alors? Qu'est-ce que je. Toujours pas. Ouais, le cerveau est rompu jusqu'au bout, là. Bah du coup, je sais pas, j'ai fait tout ce qui me semblait logique. C'est pas Patrick, c'est pas Dahlia. Donc il reste Phoenix, mais ça me paraît très bizarre. Votre honneur, je vous prie de vous rappeler le témoignage de Monsieur Wright. Le témoignage de l'accusé ? Il a dit qu'après avoir poussé la victime, il a entendu un gros bruit sec. Alors tout ça s'est passé aux alentours de 15h, c'est bien ça? Oui, ça colle en effet. Attendez, vous ne voulez pas dire que... La coupure dans les labos remonte à 14h55 et corrobore les déclarations de l'accusé. Autrement dit, la coupure s'est produite quand M. Wright a poussé la victime. Oui, l'accusation est arrivée à la même conclusion. C'est ce même geste qui a causé l'électrocution de M. Omeo. Je suis désolé, Monsieur B, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'entendez-vous par là? Regardez donc où la victime est tombée après avoir été poussée. Vous voyez le parapluie? Il est tout près du poteau électrique. Ah oui. Après avoir été poussée, la victime a heurté le poteau. C'est ce choc qui a rompu le câble. Là aussi, ça tient debout. Et la victime s'est électrocutée. Je suis désolé, votre honneur, mais non. Ce n'est pas logique. Si la victime a été poussée contre le poteau du fond, elle n'a pas pu être électrocutée par le câble sectionné au premier plan. Autrement dit, l'électrocution de la victime a été causée par quelqu'un d'autre que mon client. Silence, silence en salle. Ah, les lamentations de mon ennemi, qu'elles sont douces à mes oreilles. C'est vrai, la défense a tout à fait raison. L'accusé n'aura jamais pu commettre ce meurtre. Monsieur le juge, puis-je parler? L'explication de mademoiselle l'avocate... Madame l'avocate? Ce qu'elle a dit ne correspond pas entièrement au souvenir que j'ai des événements. Mais qu'est-ce que... S'il vous plaît, une dernière fois. Laissez-moi vous expliquer une dernière fois, s'il vous plaît, monsieur le juge. Mais bien sûr! Ne craignez rien, dites-nous ce que vous avez ajouté. Nous y voilà. Elle dévoile enfin son vrai visage. Ce que j'ai vu, deuxième partie. En fait, Fini l'a poussé deux fois. La première fois contre le poteau électrique, et là le câble s'est rompu. Pat a fait de son mieux pour s'éloigner de Fini. Mais Fini l'a rattrapé et l'a heurté de dos. Le câble rompu, Pat électrocuté, ça n'a pas pris plus d'une minute. Ah oui, d'accord, elle tourne sa veste, mais... Après avoir été poussée, la victime s'est levée et a essayé de s'enfuir.
Et c'est à ce moment-là que l'accusé l'a poussé pour la seconde fois. Désolé, fini, mais je dois dire la vérité. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas, monsieur le juge? Je t'exacte, mon enfant. Je sais que c'est dur, mais je t'exacte. Moi, j'ai fait votre contre-interrogatoire, je vous prie. Quelle garce! Mademoiselle Plantule, dans votre témoignage, vous avez dit « Je n'ai pas vu le moment où il a poussé patte. » Je sais. Je suis désolé, je voulais protéger Fini. Donc, vous avez menti à la cour, c'est ça? C'était vilain, je sais, mais... Monsieur le juge? Oui? Vous me le pardonnez, n'est-ce pas, monsieur le juge? Bien sûr que non, il ne va pas vous le pardonner. Vous êtes parjuré. Oh, comme vous... Quand vous y allez, c'est un petit mensonge de jeunesse, sans plus. Et revenons plus cette fois, mais vous ferez attention la prochaine fois, d'accord? Oh, merci, monsieur le juge. Oh, je n'ai rien. Faut qu'il fasse attention, juge. Elle est plus dangereuse qu'un serpent. J'ai eu un achievement pour ça, d'ailleurs. Vous affirmez que vous avez vu la victime se faire pousser contre le poteau. Il n'en a pas l'air, mais Fini se comporte comme un vrai petit diable parfois. Vraiment. Quand même, je ne l'aurais jamais cru capable de casser un câble. Fini fait terriblement peur quand il se met en colère. Cet individu me paraît très dangereux, effectivement. Récapitulons, si vous le voulez bien. Vous avez regardé le drame se passer tout en écoutant de la musique sans réagir. Mademoiselle Faye, je vous prierai de cesser de harceler le témoin. Évidemment, j'avais une telle trouille que j'étais paralysé. Je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de les encourager dans mon cœur. Les encourager? Mais que voulez-vous dire? Je leur ai juste souhaité bonne chance à tous les deux. C'est bien d'encourager les gens comme ça. Et après ça, que s'est-il passé? Non mais on marche sur la tête là. C'est n'importe quoi. Ça me paraît bizarre. On a trouvé des empreintes sur le devant de la veste en cuir de la victime. Monsieur B, avez-vous trouvé des empreintes au dos de la veste? Non, nous n'avons rien trouvé de la sorte. Madame Fay, puis-je vous demander d'écouter plus attentivement? J'ai dit qu'il l'avait heurté de dos, non? En fin, il n'aurait pas pu laisser d'empreintes derrière, si? Le câble, blablabla, ouais, ok. Vous avez vu la victime se faire électrocuter? Je suis désolé, je n'ai rien vu de ce moment précis. J'ai détourné mes yeux. C'est tout à fait compréhensible. Naturellement, tout le monde aurait détourné le regard devant une scène si horrible. Je ne t'énige pas une contradiction, là. Tout est fini. Il n'a pas eu le temps de peaufiner son mensonge, c'est ma seule chance. Il y a forcément une faille dans ce témoignage. Réfléchis, Mia. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça n'a pas pris plus d'une minute. Ouais. Ça suffit, témoin! J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Vous allez très vite comprendre. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à cette photo? Oh, ce médicament, c'est celui que Fini prend pour son rhume. Tiens. Ce n'est pas le médicament que je veux que vous regardiez. C'est la montre. C'est arrêté à l'heure précise où la victime a été électrocutée. Autrement dit, 15h05. Bon, et où voulez-vous en venir, ma chère Faye? Voilà où je veux en venir. À quelle heure le labo a-t-il constaté la coupure de courant? Eh bien, d'après le témoignage des étudiants, la réponse est claire. Il était 14h55. Mademoiselle Dahlia Plantule, pouvez-vous expliquer à la cour ce qui s'est passé durant cet intervalle de 10 minutes? D'après la défense,
C'est durant ce laps de temps que le vrai meurtrier a tué Monsieur Patrick Omeo. Silence, sur Jean Salle. Que veut dire cette... Mais c'est ridicule, le vrai meurtrier. Vous ne pouvez pas nier l'absence d'explication pour le temps écoulé. Entre le moment où le cap s'est rompu et l'électrocution. Mais alors qui... Qui d'après vous aurait pu le commettre? Une seule autre personne aurait pu tuer Monsieur Omeo. Quand mon client a quitté les lieux, le meurtrier a saisi l'opportunité. Mademoiselle Fay, la défense est-elle prête à désigner ce vrai meurtrier? Nous y voilà enfin. Voici le moment que j'attendais. Oui, votre honneur, nous sommes prêts. Alors faites. Mais attention, si vous accusez quelqu'un à tort, je vous colle une amende. Réfléchissez bien avant de parler, mademoiselle Fay. Est-ce qu'il y a un achievement si je dis de la... si je dis des bêtises ici? Je regarde juste. Alors... On est quoi? Trial et tribulation. Non, il semblerait que... Il n'y a rien de ce côté, donc j'ai intérêt à dire la vérité. Le vrai meurtrier est bien sûr cette garce. Le seul meurtrier possible, c'est vous, Dahlia Plantule. Comment osez-vous? La défense nage en plein délire. Nous avons un écart de 10 minutes entre la rupture du câble et l'électrocution. Et que faisiez-vous pendant ce laps de temps, mademoiselle Plantule? Écoutiez-vous vraiment de la musique en encourageant deux hommes à se battre? Je trouve ça incroyable que vous n'ayez rien fait pour arrêter vos chéris. Mais fermez-la! Mademoiselle Fay! Comment? Je veux dire, pourquoi? Enfin... Mademoiselle Plantule, je crois que vous avez effectivement vu les deux hommes se battre. Mais après que Monsieur Wright ait poussé la victime et qu'il ait quitté les lieux, c'est vous qui avez poussé Monsieur Omeo de vos propres mains vers une mort certaine. Comment pouvez-vous dire une chose si méchante? Je n'ai rien fait. Mademoiselle Fay, cette accusation est très grave. Votre honneur, s'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. Vous? Que voulez-vous? Je vous en prie, effacez ce qu'elle vient de dire du procès-verbal. Qu'est-ce que... Vous êtes stupide ou quoi? Vous trompez complètement, mademoiselle Fay. Tony, elle... Elle pourrait jamais faire une chose pareille. Et voilà, elle est complètement lavée du cerveau. Monsieur Wright, regagnez votre place. Huissier, emparez-vous de lui. Ah non! Laissez ma Dolly tranquille. Pauvre garçon. Il s'est mis dedans jusqu'au cou. Monsieur Rosenberg, vous êtes revenu? On dirait que j'arrive juste à temps. J'ai trouvé le rapport de la police concernant l'incident de votre coupure de journal. Rapport de police, rapport concernant l'incident d'il y a 8 mois. Oh, mille fois merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Vous feriez bien d'y jeter un œil. Il décrit comment vous êtes venu à perdre votre fiancée. C'était sûr. Reprenons les défenses, je viens d'émettre une accusation très grave. Monsieur B, qu'avez-vous à dire à ce propos? Vraiment, votre honneur, c'est que... Puis-je vous interrompre un instant, monsieur le procureur? Ne vous inquiétez pas, ma petite demoiselle, j'ai la situation bien en main. Allez-y. Madame Fay, vous m'accusez d'avoir tué mon doux pote? Oui, absolument. Non seulement je vous accuse d'avoir assassiné Patrick Omeo, mais en plus d'avoir voulu faire porter chapeau à votre petit ami, Monsieur Wright. Je vous avais dit de me laisser gérer la situation. Je suis désolé, je vous en prie, continuez. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je l'adore, mon petit fini. L'idée que j'aurais voulu lui porter... Faire porter le chapeau est absurde. Je ne sais même pas si j'arriverai à m'en remettre. Je crois que je suis en train de demander quel pourrait bien être son mobile. Je sais que la réponse se trouve quelque part dans ce rapport de police. C'est sûr. Disons ça.
Résumé de l'incident au lieu, cafétéria du palais de justice, date heure, 27 août, 16h. Victime, Diego Armando, 28 ans. Profession, avocat. Suspect, Dalia Plantul, 19 ans. Armando a ingéré un poison alors qu'il interrogeait le suspect à propos d'une autre affaire. Des traces de poison ont été découvertes dans le café de la victime. Aucun poison n'a été trouvé sur le suspect ni à proximité. On ne sait pas comment le poison s'est retrouvé dans la tasse de la victime. La cafétéria au sous-sol de ce palais de justice a connu un incident il y a 8 mois. Et le même jour, ces deux-là se rencontrent accidentellement. Votre honneur, la défense demande de poursuivre l'interrogation de mademoiselle Dalia Plantul. Encore des questions? À quel propos? Au sujet des événements qui se sont déroulés le jour où elle a rencontré l'accusé. Enfin, quel rapport avec cette affaire? Le témoin prétend qu'elle n'a aucune raison de faire porter le chapeau à l'accusé. Eh bien, j'ai la preuve du contraire, et qu'en fait, elle a une excellente raison. En ce cas, la cour accède à la requête de la défense. Mademoiselle, daignerez-vous rester parmi nous encore un peu? Si vous me le demandez, monsieur le juge, j'espère que tu es prête à mener la bataille de ta vie, Dalia Plantul. J'ai rencontré mon beau fini il y a 8 mois. C'est le destin qui nous a réunis dans la salle lecture de ce palais de justice. Nos regards sont croisés et mon cœur s'est emballé. Nous sortons ensemble depuis ce jour béni. Ah oui, le premier jour carrément. On est si amoureux, certains en ont même la nausée. Mais ce n'est que de la jalousie. Monsieur Wright, recommencer, ce sera considéré comme un outrage à la cour. Nous voici maintenant dans le dernier acte de notre tragédie. Comme on le disait dans la jeunesse, allez, chopez-la. Waouh. Donc, jusque-là, vous sortiez avec Patrick Omeo. Oui, je suis une idiote, je sais. Se laisser si facilement guider par ses émotions, j'ai honte. Mais non, voyons, pas du tout. Regardez-moi, on me dit capable de changer d'avis comme de chemise. Mes détracteurs vont même jusqu'à me surnommer le juge Girouette. N'avez jamais pensé à changer de boulot, non? Bon, cela dit, il rend toujours le bon verdict. C'est pour ça que certains le surnomment aussi le grand Jugini. C'est le destin qui nous a réunis dans la salle de lecture, blablabla. La salle de lecture du palais de justice. Un lieu étrange pour y rencontrer l'amour. Oh, vous vous trompez, mademoiselle Fay. Madame, après tout, Fini était étudiant en art, mais suivait aussi des cours de droit pour devenir avocat. Je ne parlais pas de lui, mais de vous, mademoiselle Plantul. Que faisait une étudiante en littérature dans la salle de lecture du palais de justice? Ces questions n'ont rien à voir avec cette affaire, c'est une perte de temps. Bon, jeune fille, je vous préviens, si vos questions n'ont pas de rapport avec l'affaire. Il faut pas que j'oublie que le juge est du côté de Dalia. Attention à moi. Votre honneur, avec votre permission, je pourrais établir un lien entre les affaires. Je vous en prie, demandez-lui de poursuivre son témoignage. Oh, très bien. Angèle, veuillez répondre à cette question. Que faisiez-vous en bas dans la salle de lecture du palais de justice? La réponse est simple, et la voici. J'étais venu au palais pour faire des recherches sur un exposé, pour mes cours. C'est un peu gros, ça, quand même, hein? Mademoiselle Plantul, vous n'étiez pas là pour faire des recherches pour votre exposé. Vous aviez une raison bien plus importante, n'est-ce pas? Que veut dire ce sourire moqueur qui se dessine sur votre visage, mademoiselle Fay? Il y a 8 mois, une autre tragédie s'est déroulée ici, dans ce palais de justice. Une autre tragédie? Vous voulez parler du jour où un avocat s'est fait empoisonner? Vous trouverez le nom du suspect dans ce rapport sur l'incident en question. Et ce nom, c'est Dalia Plantul. Quoi? Dalia Plantul? Oui, la petite chérie de ces messieurs, mademoiselle Dalia Plantul. Elle était le suspect principal dans une affaire criminelle il y a 8 mois. Un avocat en parlant de Diego Armando. Pour l'instant, je ne connais pas le personnage. Silence, silence, silence! C'est incroyable! Alors c'est vrai, les roses sont belles, mais elles cachent des épines.
Mademoiselle Faye, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas accuser mon témoin pour une affaire qui n'a rien à voir. Moi, Victor B., je ne tolérerai... Monsieur le procureur, ne m'interrompez pas. Pardonnez-moi, je vous en prie, continuez. C'est vrai, il y a environ 8 mois, la police s'est intéressée à moi d'assez près. Je suis intéressé à vous. Monsieur le juge, je sais que je suis sous serment et je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas coupable du crime comme il y a 8 mois. Et ça recommence. Je vois. Bon, maintenant que j'ai fait le lien entre les deux crimes, il faut pas que je relâche la pression. Bien joué, Mia. On est vraiment réchauffé le cœur et le derrière. Je ne saurais dire ce qui est plus enflammé, mon esprit ou mes hémorroïdes. J'ai rencontré l'avocat victime de l'empoisonnement dans la cafétéria ce jour-là. Je me suis absenté un bref instant et ça s'est passé à ce moment-là. On m'a dit qu'il avait ingéré un poison liquide mortel à partir de 2 cuillères à café. Et en plus, j'ai entendu dire que c'était un poison peu ordinaire. Alors vous voyez, je suis innocente. Où aurais-je pu me procurer un tel poison? J'ai donc ce qui s'est passé il y a 8 mois. Et pourtant, le témoin vous l'a expliqué, elle n'a rien à voir dans l'histoire. On dirait que la défense n'a plus tourné dans son sac. Je suis désolé, monsieur Boulet. Je trouve que la défense est justement plein de tours dans son sac aujourd'hui. Et vous serez le premier à les applaudir à la fin de ce contre-interrogatoire. Mais pourquoi la défense est-elle aussi sûre d'elle d'un seul coup? Ah, mais à vous briller de l'aura des vrais avocats, ma chère. Cette allure fière et cette assurance tout bonnement renversante. Parlons. De quoi parliez-vous avec l'avocat? Je suis désolé, mais c'est confidentiel. Le rapport dit qu'il vous interrogeait dans le cadre d'une autre affaire. L'avocat assassiné, il voulait me parler d'un incident qui s'était produit quand j'étais plus jeune. Dites-nous donc de quel incident il s'agit. Une fois de plus, cela n'a rien à voir avec cette affaire. Objection retenue. La question de la défense sera ignorée. Passez votre vie à être impliqué dans toutes sortes d'incidents, mademoiselle Plantule. Je suis peut-être né sous une mauvaise étoile. T'inquiète pas, Dolly, je te protégerai. J'avais entendu ça. Voilà le grand amour, mademoiselle. Oh, fini, s'il te plaît. Faites-les taire, ils me rendent malade, ces deux-là. Combien de temps vous êtes-vous absenté? J'ai déjà répondu aux questions de la police à ce sujet. Mais si vous voulez savoir, 10-20 minutes, pas plus. Et où étiez-vous pendant tout ce temps? Aux toilettes? Qu'assumez-vous, mademoiselle Feuille? Ma petite Dolly est trop pure pour avoir besoin d'aller aux toilettes. Vous l'avez entendu, vous avez entendu l'accusé, mademoiselle Feuille. Oh, fini, s'il te plaît. La police est déjà penchée sur toute l'affaire. Cet interrogatoire n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Je suis retenu. J'ai le plaintu, reprenez votre témoignage. Cela représente quelle quantité de liquide environ, 2 cuillères à café? Voyons. La bouteille de coûte pour les yeux contient 15 ml, environ 3 cuillères à café. Donc c'est environ les 2/3 de cette quantité, hein? Le poison a été retrouvé dans la tasse de café de l'avocat. On a dû le verser après que je me suis levé de table. La police est déjà penchée sur cette affaire. Dahlia a effectivement besoin d'aller aux chiottes comme tout le monde. Affaire classée. Quelqu'un a dû le verser discrètement dans sa tasse. Un poison peu ordinaire. Dans quel sens? Apparemment, il est presque impossible à détecter. Oh, et d'où vient donc un tel poison? Désolé, je ne sais que ce que j'ai entendu dire par la police. Sa purification fait appel à des procédés chimiques sophistiqués, apparemment. Des procédés chimiques? Tiens, tiens, voilà qui est assez... impressionnant. Très impressionnant, même. Reste à savoir comment le criminel s'est procuré une chose pareille.
Est-ce que ce serait via son ex-petite amie? C'est la raison pour laquelle ils ne vous ont pas arrêté? Parce que personne n'a pu prouver comment vous auriez pu vous procurer le poison? Je crois que cette raison en vaut une autre, non? Elle a raison. Nous en avons tous plus qu'assez des questions de Mlle Fay. Donc, en résumé, Mlle Plantu n'a jamais été arrêtée. Parce que personne n'a jamais pu déterminer comment elle avait pu se procurer le poison. Alors, il ne nous reste plus qu'à trouver comment elle a pu le procurer. Super, comment une étudiante en littérature peut-elle se procurer du poison? Bla 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 bla. La meuf a un ex qui s'appelle Homéo Patrick et se demande où se trouver du poison. Ouais. Vous ne sauriez pas où procurer ce type de poison? Je ne vous crois pas. Quoi? En fait, vous pourriez trouver ce genre de poison très facilement, n'est-ce pas? Au laboratoire de votre petit ami. Petit ami? Vous voulez dire la victime, Patrick Homéo? Exactement. Jusqu'à il y a 8 mois, Mlle Plantule sortait avec Monsieur Homéo. Et si je me souviens bien, Monsieur Homéo était un étudiant en pharmacologie. Pharmacologie? Son laboratoire était équipé d'un système de traitement chimique perfectionné. En fait, sans un tel équipement, le coupable n'aurait jamais pu se procurer un poison aussi rare. Eh bien, Mlle Plantule, on dirait bien que vous avez accès au poison après tout. Ensuite, il suffisait de verser le poison dans le café de la victime. Et la seule personne qui aurait pu le faire était assise près de vous. Près de lui, vous. Oh non! Mais fermez-la, bordel! Est-ce possible? Et ce ne sont que des accusations. Puis-je dire quelque chose, madame Fay? De quoi s'agit-il, mademoiselle Plantule? La tasse contenait 2 cuillères à café de poison, n'est-ce pas? Pour porter une telle quantité de liquide, j'aurais besoin d'un récipient. Oui, c'est vrai. J'ai été fouillé juste après l'incident. C'est vrai, en fait, ils sont passés le palais de justice au crible. Pourtant, on n'a pas trouvé de récipient douteux. C'est exact, ils en parlent dans le rapport. Eh bien, vous auriez très bien pu vous en débarrasser d'un objet aussi petit. Excusez-moi, madame, mais nous sommes au tribunal. Si vous voulez m'accuser d'avoir jeté le récipient contenant le poison, vous devez nous montrer des preuves. Des preuves? Elle me tient. Fournissez des preuves ou je vais devoir vous demander d'abandonner cette hypothèse. Comment trouver aussi rapidement de preuves, nous allons devoir perdre cette piste. La police a fouillé Daya soigneusement ainsi que tout le palais de justice. Et pourtant, on n'a jamais pu trouver le récipient dans lequel se trouvait le poison. Si votre intention est d'accuser cette jeune femme de meurtre, alors où est le récipient qui a servi à transporter le poison? Vous avez été obligé de vous débarrasser du récipient très rapidement, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous l'avez donné à quelqu'un qui n'avait rien à voir à l'affaire. Avec l'affaire. Quelqu'un qui, vous le saviez, ne serait pas fouillé. Qui est cette personne? Monsieur Phoenix Wright, bien sûr. Alors, l'accusé est-elle complice du témoin? Bien sûr que non. Elle lui a donné le poison comme si c'était un cadeau. Quoi? Mais ça... Voilà un pendentif particulièrement joli. Est-ce une sorte de petit flacon? C'est très mignon, vous savez. Mais expliquez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, Mlle Fay? Notre témoin est tombé sous le charme de Monsieur Wright il y a 8 mois. Le 27 août, toujours exact, l'empoisonnement en question. Prétextant l'amour, le témoin a fait un cadeau à son client. À mon client, pardon. Tout ça pour cacher une pièce à conviction qui l'aurait incriminé. Quoi? Oui, ce flacon contient un poison mortel. Non, il n'y a plus de poison dans ce flacon. Pourtant, je suis sûr que le labo de la criminelle pourra l'analyser et y trouver des traces. Non! Arg. Silence, cher Vincent. Non, Dolly, objection! Monsieur Wright, contrôlez-vous. Je vous laisserai pas la martyriser comme ça. Monsieur Wright, je vous ai dit de rester assis. Monsieur Wright, pourquoi? Pourquoi vous évertuez-vous à la protéger de la sorte? Pourquoi? Parce que...
parce que je l'aime à la folie. Il l'aime à la folie. Je n'ai pas entendu cette expression depuis longtemps. Monsieur Wright, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme telle que Dahlia sortirait avec vous? Eh bien, je suppose qu'elle doit aussi m'aimer à la folie. Monsieur Wright, enfin, réveillez-vous! Dans l'état actuel des choses, je pense que tout le monde ici a compris. La vraie raison pour laquelle Dahlia sera avec vous est la suivante. Dahlia Plantu n'était pas, et n'est toujours pas follement amoureuse de vous. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce flacon que vous aimez porter autour du cou. Mon pendentif? Quand nous étions en salle d'attente, vous me l'avez dit vous-même. Ouais, elle est tellement timide. Quand on se voit, elle répète toujours la même chose. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. Oh, quelle fille étrange, demander qu'on lui rende son cadeau comme ça. Pour Dahlia Plantule, ce pendentif est la preuve irréfutable de son crime. C'est pourquoi il fallait absolument qu'elle le récupère. Vous mentez! Mais vous ne lui avez jamais rendu. Pire, vous le montrez à tous ceux que vous rencontrez. C'est pourquoi elle... Je vous crois pas. Non! C'est un mensonge! Hic. Bien, ça va? L'accusé, il saute! Huissier, vite! Attrapez-le! Mia, est-ce que ça va? Oui, je crois. Ce garçon, il a complètement perdu la raison. Où est passé Monsieur Wright? On dirait que l'huissier lui a mis la main dessus, il devrait le ramener bientôt. Oh, Dieu merci. Oh non! Mais qu'y a-t-il? Le pendentif! Le cadeau de Mademoiselle Plantule! Il a disparu! Quoi? C'est terrible! Monsieur Wright a dû le saisir quand il a... Quand il m'a... Non, pardon. Monsieur Wright a dû le saisir quand il m'a renversé. Quel imbécile, c'est la seule chose qui aurait pu le sauver. Que diable est-on censé faire maintenant? Monsieur Wright, ce comportement est une première dans l'histoire de cette cour. Je suis désolé. Je regrette, mais vos excuses ne suffiront pas. Monsieur Wright, qu'avez-vous fait du flacon? Pardonnez-moi, je suis désolé. C'était pas grave, rendez-moi juste le pendentif. Je l'ai mangé. Quoi? Vous l'avez mangé? Il était trop gros à avaler, alors j'ai d'abord mâché un peu et... Ouais. Qu'est-ce qui lui prend? Votre honneur, vous devez suspendre l'audience. Monsieur Wright, vous sentez bien? Vous avez mal au ventre? Ce flacon que vous avez allé contenait encore du poison. On dirait bien que l'accusé vient de prouver que l'accusation a raison. Il est clair que ce flacon ne contenait pas de poison mortel. Comment pouvez-vous en être si sûr? Je crois que c'est évident. Comment pouvez-vous voir l'accusé bien vivant? Le poison n'existe que dans l'imagination débordante de la défense. C'est évident, en effet. Non, c'est forcément une erreur. Il ne devait plus rester le poison dans le flacon. Ou alors le poison a perdu sa virulence. Allez. Ce n'est pas grave, petite débutante. Faire confiance à son client est la plus noble chose que peut faire un avocat. Et cela me réchauffe le cœur de voir la confiance que vous avez placée en Monsieur Wright. Mais cela marche aussi pour l'accusation. Par exemple, pour nous, je fais une confiance absolue à mon témoin, Monsieur Plantu. Et c'est pour cette raison que j'affirme que votre analyse de sa personne est fausse. Ça suffit! Malheureusement, Mademoiselle Fay, je ne peux accepter votre version des faits. Mais pourquoi?
Le novice aura peut-être du mal à comprendre, mais au tribunal, seules les preuves comptent. Alors, même si j'ai réussi à tout prouver jusque-là, elle va s'en sortir. Comme nous venons de lever le doute sur l'innocence de Mlle Plantule, je vous propose de poursuivre le procès. Mais... C'est right? Je suis désolé, Mademoiselle Faye. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je sais que vous me croyez, j'ai l'impression de vous laisser tomber. That's right. Qu'essayez-vous de nous dire? Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quoi encore? Ce jour-là, le jour où j'ai rencontré Patrick Omeo... Cette fille, là, je te conseille de plus la voir. Mêle-toi de tes oignons! Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai! Écoute-moi, elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Hier soir, quelqu'un a volé du poison dans notre labo. Du poison? Même chose qu'il y a 8 mois, un échantillon de médicaments a disparu du labo. Ce jour-là, elle était passée au labo. Ça ne peut être qu'elle. Cette fille est une voleuse. Arrête! Ne parle pas d'elle comme ça! Bonk. Est-ce que c'est vrai? Il a vraiment dit ça? C'est du plus haut ridicule. Encore une chose, après l'avoir poussé ce jour-là, je me suis inquiété et je suis retourné sur place pour jeter un œil. Elle était là-bas. Dolly était sur la scène du crime. Elle était agenouillée auprès de lui. Quoi? Elle m'a demandé de ne jamais le dire à personne, mais... Je suis désolé, Dolly. La meuf vole du poison et il s'inquiète que c'est un vol. S'il y avait que ça de dangereux... Votre honneur, l'accusé... Mademoiselle Faye, dites-le! Dolly ne l'a pas tué, elle est innocente! Alors Dahlia a aussi volé le poison 8 mois auparavant, hein? Exactement, Gagatre. Ajoutez ça au témoignage de Monsieur Wright, et il n'y a qu'une seule conclusion possible. La défense considère que Mademoiselle Dahlia Plantule a volé le poison la veille du jour où elle a tué Patrick Huméo. La veille? Bien évidemment, elle avait l'intention de tuer quelqu'un. Monsieur Faye. Si vous êtes sûr de votre théorie, répondez à cette question. Mais à cette dernière chance, réfléchis bien. Vous voulez absolument récupérer quelque chose. Qui Dahlia Plantule avait-elle l'intention de tuer? Non. Non. Non, probablement pas. Une seule personne barrait le chemin de Mlle Plantule. Et cette personne, c'était Monsieur Phoenix Wright. Moi? C'est ridicule. Après tout, c'est Patrick Omeo qui a été assassiné. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que les choses sont tournées. Mais rappelez-vous que Monsieur Omeo a été électrocuté, pas empoisonné. La personne que Mlle Plantule avait décidé d'empoisonner, c'est en fait... vous, Phoenix Wright. Ça ne pouvait être que vous. Ah oui, c'est du bon sens. C'est le seul qui a le pendentif. Après ce qu'on a vu, vouloir le tuer, c'est juste normal, aussi. Pourquoi? Mais pourquoi? Ces deux-là s'aiment comme des tourtereaux. Oh, LG. Pauvre Monsieur Wright, que ça doit être douloureux pour lui. Allez, accrochez-vous, je la ferai condamner, je le jure. Comme je l'ai déjà dit, la seule chose qui comptait pour Mademoiselle Plantule, c'était la pièce à conviction qui la reliait à cet incident il y a 8 mois. C'est clair, le flacon pendentif, c'était la seule chose qu'elle voulait. Admettons, mais pourquoi aller aussi loin, jusqu'au meurtre? Il y a 8 mois, juste après la mort de cet avocat dans la cafétéria, Dahlia n'avait qu'une chose en tête. Se débarrasser du flacon le plus vite possible. Non, c'est impossible. Et c'était une excellente pièce à
avec son petit départ, car la pièce à conviction a longtemps été manquante. Mais il y avait encore un autre gros problème. Même s'il a caché la pièce à conviction involontairement, M. Wright ne l'a pas rendue. Pour lui, ce flacon minuscule était un trésor qu'il chérissait tendrement. Il le montrait même à tous ceux qu'il rencontrait. Vous voulez dire que c'est pour ça qu'elle a essayé de le tuer ? C'est exact, votre honneur. Tout ça pour récupérer cette pièce à conviction. C'est pas possible ! Fini. Non, pardon, fini. Quel minable tu es. Franchement, comment une femme peut-elle compter sur une personne comme toi? Je te l'ai répété 100 fois de ne pas parler de moi ou du flacon. Tu me dégoûtes. Mais j'ai le plantule. On dirait bien que ce procès touche à sa fin. Tant pis. Vous allez faire passer pour une criminelle quoi qu'il arrive. Vous êtes une criminelle, mademoiselle Plantule. On verra. Où sont vos preuves? Apparemment, votre pleurnicheur de client a avalé le flacon. Le vieux, t'es sénile ou quoi? Pourquoi tu l'ouvres pas au lieu de rester planté là comme un idiot? Mademoiselle Plantule, qu'est-ce qui vous prend? Quoi, ça vous choque tant que ça? Peut-être me préférez-vous comme ça, monsieur le juge? Sans aucune preuve, vous traitez un témoin volontaire comme un vulgaire criminel. Je n'ai plus rien à dire. Je rentre chez moi si ça ne vous dérange pas. Mais nous n'avons pas terminé. Comme vous voulez. Mais alors dites à cette vieille chouette de se presser. Je peux pas le laisser s'en tirer de cette façon. Cette fois. Ouais, Temia, si on continue d'attaquer sans preuve, on risque de devoir faire l'ultime sacrifice pour un avocat. L'ultime sacrifice? Vous perdriez votre badge d'avocat pour de bon. Non. Réfléchissez bien, mademoiselle Faye, ou plutôt, mademoiselle Méfait. Eh bien, mademoiselle Faye, avez-vous les preuves qui confirment sa culpabilité dans cette affaire? Si je me trompe, je peux dire adieu à ma carrière. Mais à vrai dire, là, tout de suite, j'ai aucune preuve. Pourtant, je préfère perdre mon badge d'avocat que de la laisser s'en tirer. Votre honneur, la défense aimerait présenter ses preuves. Ah, ok, j'ai pas besoin de sauvegarder. C'est impossible, vous ne pouvez pas. Idiote. La cour estime que nous avons suffisamment discuté de cette affaire. J'attends de vous une preuve décisive. Décisive? Si vous ne parvenez pas à prouver sa culpabilité, je n'aurai d'autre choix que de condamner M. Wright très sévèrement. Je comprends, votre honneur. Je vois déjà les gros titres des journaux demain. Une avocate pleine de talent s'écrase avant d'avoir pu s'en servir. Elle avait l'intention d'empoisonner M. Wright. Si c'est le cas, le poison doit être là-dedans. Eh bien, Michel Fay, vous pouvez présenter votre preuve. Prouvez à cette cour que M. Plantude avait prémédité l'empoisonnement de M. Wright. La voilà, votre honneur, la pièce à conviction qui va prouver sa culpabilité. Merci, K4. Plodrum X. Bah oui, mais une fois que tu te rappelles que, oh, il l'a perdu à midi alors qu'il mangeait avec Dahlia. 1+1 font 2, et voilà quoi. Le médicament contre le rhume de Monsieur Wright. Elle a attrapé froid, votre petite avocate. Si j'avais pris froid, je ne prendrais pas le remède de ce flacon. Après tout, il a été empoisonné. Quoi? Souvenez-vous de ce qu'a déclaré l'accusé lors de son témoignage. J'ai perdu mon flacon le jour de l'accident, vers midi. Je déjeune toujours avec Dolly, rien que nous deux. C'est elle qui a pris son flacon de Plodromix. Elle a ensuite empoisonné, sachant que M. Wright allait s'en servir.
La défense s'enfonce de plus en plus dans les sables mouvants du désespoir. Après tout, c'est la victime, Monsieur Omeo, qui tenait le flacon à la main. Je voudrais que la cour se souvienne du crime qui a été commis il y a 8 mois. Où Mademoiselle Plantule était cachée la pièce à conviction. Hein? Où voulez-vous en venir? Il y a 8 mois, elle a caché du poison dans son pendentif. Pendentif qu'elle a ensuite confié pour le remettre en sécurité. Quelqu'un qu'elle avait vu par hasard dans la salle de lecture, mon client. Eh oui, c'est la vérité. Et cette fois, elle a fait exactement la même chose. Après avoir poussé la victime, Monsieur Flingswright a quitté la scène du crime. C'est à ce moment-là que l'assassin, Mademoiselle Plantule, a fait son apparition. Elle portait sur elle le flacon empoisonné de Plodromix. C'était bien sûr pour mener à bien son plan d'assassinat contre Monsieur Wright. Elle a effectivement avoué qu'elle allait voir l'accusé. Et elle a entendu et vu tout ce qui s'est passé sur la scène du crime. Sans oublier la dispute entre les deux hommes et le câble électrique sectionné. C'est là qu'elle a compris qu'elle devait tuer Patrick Omeo. Elle a profité du câble sectionné pour faire taire Patrick Omeo pour de bon. Malheureusement, c'est là que le problème est survenu. Monsieur Wright, qui avait quitté les lieux, est revenu voir la victime. Et à cause de la coupure de courant, plusieurs étudiants sont arrivés sur place. Pas étonnant qu'elle ait été, comme elle l'a dit elle-même, prise de panique. N'oubliez pas qu'elle portait sur elle le flacon empoisonné de médicaments contre le rhume. Elle a dû penser, mais s'il me fouille comme s'ils l'ont fait il y a 8 mois. Il y a 8 mois? Oui, elle s'est débarrassée de la pièce à conviction de la même façon. Elle l'a confiée à quelqu'un. Et cette fois, c'était Patrick Omeo. Allons, vous n'allez pas vous laisser avoir tout de même. Cette idiote. Elle n'est qu'une vilaine menteuse. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Hein? Oui, c'est tout à fait ça. C'est du désespoir, pur et simple. Ah, je me demande qui est le plus désespéré d'entre nous. Alors, mademoiselle Plantule, ce médicament contre le rhume, vous voulez une gélule peut-être? Après tout, Monsieur Wright a bien avalé votre pendentif, non? Maintenant, c'est à votre tour de prouver votre innocence, alors qu'en dites-vous? Si je ne suis qu'une vilaine menteuse, vous n'avez rien à craindre. Allez, prouvez-nous que j'ai tort, je vous mets au défi d'avaler ce médicament. Mia Fey! Ouf. Vous croyez avoir gagné, hein? Dites-le. Pas de problème. Pour l'instant, vous avez le dessus. Pour l'instant, j'ai une mémoire exceptionnelle. Nous nous reverrons un jour, j'en suis sûr. À plus tard, monsieur le juge. Hein? D'accord. Je vais passer un petit moment avec les hommes en uniforme. Meilleurs vœux à tous. C'est enfin terminé. Je refuse cette conclusion. Défense ne nous a pas présenté le moindre preuve pour soutenir ce propos. Mais votre témoin semble avoir tout accepté. Et je m'en moque, je suis Victor Boulet. Je ne crois pas en un mot de ce que dit cette novice. Dans ce cas, monsieur Boulet, laissez-moi vous demander ceci. Oui? Voulez-vous prendre un comprimé de ce flacon? Quoi? Il y a quelques instants, j'aurais juré que vous avez dit... Allez. Ce n'est pas grave, petite débutante. Par exemple, je fais une confiance absolue à mon témoin, monsieur le Plantule. Alors, si elle est aussi digne de confiance, je suis sûr qu'il ne peut y avoir en aucun cas du poison là-dedans, n'est-ce pas? Oui... Vous revenez sur ce que vous avez dit? Allez, montrez à la débutante ce que vous savez faire. Montrez-moi à quel point vous avez confiance en cette femme.
Allez-vous risquer votre vie ? Meilleur personnage que Flavia et Chouette. Mes cheveux ! Coulure. Quelle bourrasque. Monsieur Boulet ? Pour Mademoiselle Dahlia Plantule ? Oui, votre honneur, je remplis immédiatement les papiers pour son arrestation. Voilà une affaire tragique, mais pas surprenante. J'avais un doute à son sujet dès le départ. Ne mentez pas, admettez donc que vous êtes trompé. Au fait, Mademoiselle Fay ? Oui, votre honneur ? Vous avez dit que vous connaissiez Mademoiselle Dahlia Plantule. Votre honneur, ma relation antérieure avec elle n'a rien à voir avec cette affaire. Très bien. Monsieur Boulet ? C'est pas vrai, cauchemar, c'est comme si je perdais contre ma propre fille. Ça se trouve, c'est sa fille. Monsieur Boulet a visiblement perdu ses esprits en même temps que ses cheveux. L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter ? Ça peut pas être vrai. Ma Dolly chérie ! Alors pourquoi il n'est pas empoisonné ? Est-ce que l'effet s'est calmé au bout de 8 mois ? Il n'y avait plus de poison ? Bizarre. Très bien, je crois être en mesure de me prononcer sur cette affaire et de mettre fin au procès. La cour déclare l'accusé M. Phoenix Wright non coupable. Bravo. Félicitations. Super. Ouais. La séance est levée. 11 avril, 15h16, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Au mieux, vous avez été magnifique. Oh, merci pour tout, monsieur Rosenberg. Au rendu du verdict, j'ai cru que mes hémorroïdes allaient exploser comme le Vésuve. Monsieur Rosenberg, vous pensez que vous pourriez changer de sujet ? Ne soyez pas si direct. Quoi qu'il en soit, cette affaire m'a fait beaucoup réfléchir. Notamment à l'importance d'établir une relation de confiance avec le client. Lui n'avalait qu'un flacon contenant des traces de poison, oui. Quand même, quoi. C'est une chose que nos autres vétérans des barreaux ont peut-être perdu de vue. Ah, monsieur Wright. Félicitations. Merci. Vous savez, je me disais... Allez-y. La Dolly que j'ai vue à la barre aujourd'hui, je crois que c'était pas la vraie. Quoi ? Ah ouais, la Dolly que je connais dirait jamais toutes ces horreurs. Peut-être qu'il s'agissait, je sais pas, d'un imposteur ou d'un truc comme ça. Sus. Non, pardon. Eh ben, le pauvre est complètement largué. Vous devez l'oublier, Monsieur Wright, c'est pour votre bien. Vous avez raison, ça vous semble mieux. Et puis, vous devriez vous détendre un peu et mûrir aussi. Mais tout le monde s'accorde à dire que tous mes amis, c'est moi le plus mûr. Je me demande bien qui fréquente, lui. En ce moment, j'étudie pour devenir avocat, comme vous. C'est ce que vous n'arrêtez pas de répéter, oui. Et pourtant, vous êtes étudiant en art. Oui, c'est vrai. Napoléon avait raté son suicide en prenant du vieux poison. La péremption des poisons, c'est un vrai truc. Balèze. Mais un ami à moi a vraiment besoin d'aide, alors. En me dépêchant, j'ai peut-être encore le temps de le sauver. Je vois. En fait, Mademoiselle Mia... Un avocat, c'est quelqu'un qui aide les gens lorsqu'ils ont des ennuis, pas vrai ? That's right, tout ceci est encore nouveau pour moi. Mais, oui, sa définition convient parfaitement au métier d'avocat. Alors, c'est décidé, je vais étudier comme un fou. Et je deviendrai avocat. J'espère que nos chemins se recroiseront un jour. Peut-être au tribunal ? Oh oui. Mais pas assez longtemps, à mon goût. J'ai été lavé de tout soupçon il y a 5 ans. Je suis devenu avocat comme je l'avais prévu, j'ai réussi à sauver mon ami. Mais Mia est partie rejoindre un monde meilleur. Aïe. Ce procès réveille en moi beaucoup de souvenirs douloureux. Mais il réveille aussi de très précieux. Il en réveille, pardon. Des souvenirs que je ne pensais pas avoir ressurgir un jour. Mia nous a quittés. Ah, mais arrête de le rappeler.
Et pourtant, ces paroles continuent de résonner dans ma tête. Phoenix, n'oublie jamais, fais confiance à ton client. Dans un tribunal, tu es ce que tu crois. Tu es ce que tu crois. 5 longues années. Certains événements m'ont fait repenser aux sages conseils qu'elle m'avait prodigués. Mais ceci est une autre histoire. Épisode 1, souvenir et volte-face, fin de l'épisode. Et tout ça calé en une seule session. Et là, on va voir l'avatar d'Imatre. Super. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Super, bravo. Allez, on sauvegarde. Et on s'en tient là pour ce soir. On s'en tient là pour ce soir, on a dit. Hein. Hop. Merci. Eh bien, merci Kaka d'avoir suivi. Merci à Yonali, Chamou, Veni. Et Bastel. Non, pas Bastel. Hein. Bastel, je vous dis pas merci. Merci à toutes les personnes qui ont pu passer. C'est fort sympathique. Oh oui, un beau LTF4. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Profitez bien. Et on se retrouve normalement dimanche. Ou alors, ce sera juste Bastel, je sais pas. Merci aux abonnés, bien sûr. Bonne nuit.